Bonjour à tous, et c'était le Kino si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Il s'agit du premier épisode de Doom 3. On est parti. Oui, je vais écraser ma sauvegarde. Doom 3, on va le faire en... vous en verrez. C'est quoi? Une recrue encore novice. Vous ne tirez pas dans le pied. En général, vous arrivez à toucher une cible mouvante. Soldat chevronné, vous avez déjà été au feu. L'Union Aérospace Corporation est la plus grande société existante. Son activité était à l'origine concentrée sur l'armement et la défense. Puis elle s'est diversifiée dans la recherche biologique, l'exploration spatiale et d'autres projets scientifiques. Grâce à des fonds illimités et à la possibilité de mener des recherches au-delà du cadre des obligations morales et légales, l'UAC a le contrôle des technologies les plus avancées. Ok. Je reviens. Transport entrant détecté. Étoile noire en approche de Mars, 07063, descente sous les 3-8000. Étoile noire, descendez à 2000 vitesse constante. Contact au sol à 26972. Reçu tour de contrôle. Nous les avons sur les radars, chef. Ils atterrissent dans quelques instants. Excellent. Envoyez-moi directement le conseiller Swan. Oui, chef. Étoile noire à la tour, phase finale. On vous a, étoile noire, vous êtes OK pour arrimage. Je n'arrive pas à croire comment je m'arrive. Je n'ai pas voulu venir ici. Il ne vous a pas laissé le choix. Oui. Mais c'est la dernière fois. J'en ai assez de réparer les dégâts à chaque fois qu'il fait une foirée. Ok. Vous avez les choses en main. En cas d'échec, c'est moi qui prends. Dans ces conditions, Betroger va devoir faire les choses à notre manière. Comme vous voudrez, conseiller. Ok. Hey, System Choke. Hello, hello, hello. V-Sync. Hop. Ok, V-Sync Smart, ça marchait pas top. Donc, coucou système, El Kidu is some kind of Spanish wrestler name. Yes, it is. You just discovered my secret, system. I am very annoyed right now. Hopefully, no one here speaks English. Welcome here. I'm glad to have you here, guys. If you understand English, so if you understand me at this exact moment, it means that you can go watch System Chalk when he's streaming. It means you can give him a follow. So give him a follow now because he's awesome. Jimlo, coucou. Comment ça va? Y a Primark? Non, y a pas Primark, c'est pas possible. Primark? Primou? Es-tu là? T'es un peu dans le champ, Elki? Non, je suis dans le champ de quoi? Tu préfères que je sois. Tu préfères que je sois devant les PV? Là, c'est bon, là. Je peux me bouger un petit peu si tu veux. Tu veux voir le city? Y a pas de souci. Ok. Bienvenue sur Mars. Tous les nouveaux arrivants sont priés de se présenter à la réception. Et Jim là-haut, comment ça va? T'as pas envie de dormir? Eh ben tant mieux. Tant mieux. Ok. C'est quoi ça? Bonjour. Ouais, on s'en fout en fait. Bienvenue. C'est toi le maniaque. Pour faciliter le traitement de votre arrivée, veuillez vous rendre directement à la réception.
Ok. Il faut que je sorte d'ici. Et système qui parle français. GG système. Un ciel qui nous était très gentil. De rien. Je quitte cet endroit et vous devriez en faire autant. Ok. Bon, et donc pour ceux qui n'ont pas vu, je l'ai mis en vétéran, j'espère que je vais pas trop me faire exploser la gueule. Bienvenue sur Mars, Marine. D'habitude je mets en normal, mais... Je vais devoir vous placer sur l'un de ces carrés rouges sur le sol pour un bioscan, ça ne prendra qu'une seconde. D'habitude je mets en normal, mais Zewin m'a dit qu'il était facile. J'espère qu'il m'a pas trop... D'accord, je lance la procédure. Évitez de bouger. Ah c'est bon, je bouge si je veux. Non mais... Parfait, c'est bon pour le bioscan, vous pouvez entrer. Ok. De la part de l'UAC, bienvenue sur Mars City. Cette installation sert de point de jonction entre la recherche scientifique, attention, les études archéologiques Banks, et les opérations militaires. L'objectif numéro 1 de l'UAC et la sécurité et le bien-être de tous nos employés et invités. Pour nous aider à atteindre cet objectif, nous vous demandons de toujours respecter les procédures de l'UAC. Elles incluent de restreindre vos déplacements aux zones qui vous sont autorisées et de rester attentif à vos gestes ainsi qu'à ceux des autres. Si vous remarquez une anomalie ou si vous avez une question, adressez-vous à l'un des agents de sécurité. Ils sont là pour vous aider, quel que soit le problème. Notre station sur Mars offre un large éventail de lieux de travail, de structures de loisirs et de socialisation. Nous assurons ainsi notre objectif de fournir à chacun une véritable expérience du foyer loin du foyer. Souvenez-vous de cela lorsque vous nous aidez à mener nos recherches destinées à transformer la vie quotidienne de tous ici et dans tout le système solaire. Pour toute aide complémentaire, contactez notre directeur des ressources humaines. Si vous êtes invité, utilisez votre liaison UAC pour exposer votre problème. Merci. Et bonne journée à vous. De rien. Y a pas de souci. Effectivement, ça serait dommage de te faire démonter. Ouais. T'en penses pas un mot, Spectre. La voix est assez... tiens, j'aime la auto qui est très fort au niveau des voix. Tu saurais reconnaître qui a fait le doublage de cette voix-là? Ça me dit quelque chose, mais... Novembre est le mois de la vigilance sur Mars. L'UAC a programmé plusieurs ateliers pour promouvoir un environnement de travail plus sûr pour tous. Et télécharger plus d'informations maintenant pour savoir comment participer. Ok, erreur d'accepté. J'ai pas mon PDA, je pense. Le mot spot peut être déverrouillé avec votre PDA, votre carte d'accès, ACO. Ok, j'ai pas le temps de dire spot. On va par là, j'imagine. Voilà. Bienvenue sur Mars. Première fois, vous pouvez laisser votre sac ici et je le ferai monter dans vos quartiers. D'accord, nous devons d'abord régler certaines choses. Voici votre assistant numérique personnel. Vous en aurez besoin pour accéder aux zones de sécurité. Voilà le PDA. Vous obtenez une autorisation d'accès à une zone de sécurité, elle sera téléchargée automatiquement. C'est très important. Ne le perdez pas. Je vois que le sergent Kelly demande à vous voir immédiatement. Rendez-vous directement au QG des Marines. C'est par ici. Suivez les panneaux. Ok. Le QG des Marines par le sergent Kelly. Ça me va. Je fais... Marine revenue au QG des Marines aussi vite que possible depuis chez vous. Nous sommes en sous-effectif. Vous serez de patrouille dès votre retour. Bonjour Marine et bienvenue sur Mars. Je souhaiterais prendre un peu de votre temps pour vous souhaiter la bienvenue dans ce que nous appelons notre foyer loin du foyer. Nous ferons de notre mieux pour rendre votre séjour ici le plus agréable possible. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler vos superviseurs directs. Il s'occupera de vous. J'espère également que vous profiterez pleinement de nos superbes installations. Rappelez-vous que nous menons des tests et des recherches très techniques et très secrets. Aussi, veuillez ne pas tenter d'aller dans les zones qui vous sont interdites. Le personnel de sécurité sera ravi de vous aider si vous en avez besoin. Bienvenue sur Mars, soldat. Cette présentation vous familiarisera avec quelques-unes des procédures standards appliquées sur le poste de Mars. Tout d'abord, la hiérarchie des ordres. Tout le personnel engagé est sous les ordres du sergent-chef Thomas Kelly. Le sergent Kelly vous attribuera une tâche de sécurité supervisée par un chef de la sécurité. Veillez à vous référer à ce dernier pour toute question concernant votre travail.
Veuillez rester sur la zone de couverture de votre patrouille pendant le temps de votre activité. Toutes les zones ont été délimitées de façon à optimiser la sécurité et l'efficacité. Chaque membre du personnel doit posséder une autorisation pour la zone qui lui est assignée. Signalez toute anomalie dans votre rapport d'inspection de sécurité. La sécurité est essentielle pour toutes les opérations sur Mars. Les armes à feu sont à manier avec une extrême précaution. N'utilisez jamais une arme si vous risquez de compromettre l'intégrité de la structure d'une zone. Notre réussite sur Mars dépend de l'application de ces règles de sécurité. Souvenez-vous que vous êtes l'élite de la force de frappe de la galaxie et que vous représentez l'armée. Prudence et bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Ok, j'ai rien connu pour le moment, je parlais de la voix du gars qui t'a scanné. Ah, quand j'étais sur le, dans le scanner, ok, d'accord, ok. Ok. Assistant numérique personnel, ok, j'essaierai de traduire ça. Non, oui, un Pokédex, c'est ça qui me kiffe. Petite question. Quoi ? Faut regarder. Ah, vous regardez. Est-ce qu'on regarde la série télé Westworld ? Moi, oui, je regarde. Enfin, j'en suis qu'à l'épisode numéro 2. Donc, j'ai commencé et je trouve ça franchement pas mal, ouais, pour l'instant. C'est assez original. Mais. J'ai un mauvais pressentiment sur la suite. Je sais pas pourquoi. Je sens que ça va partir en sucette et que ça va être moins bien après. Mais j'en verrai bien. Pour l'instant, c'est franchement pas mal en tout cas. Celui qui donne le PDA, j'ai déjà entendu savoir dans un film. Moi aussi. Ouais, carrément. Et oui, ça fait penser à Alien un peu. Moi, ça me fait penser à Dead Space, forcément, vu qu'on y a joué il y a pas longtemps. Mais bon. Ok, inventaire. Point. J'ai des points. Point à attacher à l'extrémité des bras, très utile pour cogner. Effectivement, et en plus c'est drôle. Ok. Il est par où le QG ? Mars City est un complexe non-fumeur. Veuillez ne fumer que dans les zones réservées à cet effet. Merci de votre coopération. Dites, je vous ai jamais vu avant. Vous devez faire partie de cette nouvelle équipe censée nous surveiller. J'ai jamais vu non plus. Oh, attends. Est-ce que je peux voir... Il n'y a pas de carte, hein, évidemment pas, ça serait trop simple. Je suis là parce que nous avons apparemment de graves problèmes. Vraiment ? Faut-il que je vous rappelle la nature du travail sans précédent que nous effectuons ici ? Non. Mais le conseil m'a autorisé à tout vérifier. Le conseil vous a autorisé ? Le conseil ne connaît rien à la science. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent avec un bon produit. Mais ne vous inquiétez pas, ils auront leur produit. Après combien d'accidents ? Dites-moi, docteur Betruger, pourquoi autant d'ouvriers ont la frousse, se plaignent et demandent leur transfert pour quitter Mars ? Ils ne supportent pas la vie ici. Ils sont épuisés par la surcharge de travail. Si j'avais une équipe plus grande, plus compétente et un budget plus important, même ces petits accidents auraient pu être évités. Vous n'aurez rien de plus jusqu'à ce que mon rapport soit entre les mains du Conseil. J'aurai toutes les autorisations, docteur Betruger, y compris au complexe Delta. Cela ne me posera aucune difficulté. Seulement si vous fichez le camp, Swan. Ne vous mettez pas en travers de ma route. Il va se passer de grandes choses. Vous verrez. Allons-y. Ok. Comment t'as fait pour lâcher après l'épisode 2 ? Moi, je suis grave hypé pour la saison. Ah non, mais j'ai pas lâché l'Agdar, mais pas du tout. Pas du tout, j'ai dit j'ai vu que l'épisode jusqu'à l'épisode 2 pour l'instant. Et j'ai dit que j'avais un mauvais pressentiment pour la suite. Maintenant, j'espère me tromper parce que pour l'instant, c'est super bien, je trouve. Je suis assez fan pour l'instant. T'es la voix de Marcus Fenix. Marcus Fenix, c'est qui ? Marcus Fenix, Spectro. Ça va mal tourner le projet Mars One, apparemment. Oui, il y a des chances, ouais. Hello, Shmangotron. Welcome here. You love this game? Oh, cool. Don't spoil anything for me, please. I've never played it, so I'd like to. I'm playing like a virgin. Hello. Je ne crois pas vous avoir déjà vu. Vous devez être l'un des remplaçants des gars qu'on a perdu. And just a little bit as a disclaimer for people who don't speak French and are here because we're playing late at night for Europe.
This is a French channel. If you speak, if you don't speak French, you're welcome to ask questions in English. There's no problem. I will answer in English if I can, and we have some people speaking English in the chat. But I will do my comments mainly in French because this is a French channel. You're welcome to stick around, Schmarrn Control. Postatria pour volontaire sans manœuvre disponible de rémunération. Est-ce qu'on on lit tout ça là parce... Envoie des données vers. Ah d'accord. Donc on peut lire ça après en fait. Je suis complètement paumé, on est dans la cuisine. Marcus Phoenix, Gears of War. Ok, j'ai jamais joué, c'est pour ça que je ne connais pas alors. C'est le cinquième incident d'une série qui paralyse l'activité minière de l'astéroïde depuis. Ça fait toujours plaisir de voir du monde. Profitez de votre source officielle, la pompe. Ça a ramassé les pédales. C'est pour le caporal Allen ? Ouais, on dit qu'il a perdu les pédales. Ils l'ont rapatrié cette semaine. Un de perdu, un de gagné. Sans blague. Je me demande qui vont affecter à l'équipe Bravo maintenant. En tout cas, j'espère qu'ils ne prendront personne de mon équipe. Je déteste faire des heures sup. Tu parles. Les volets. Ça change de demain et de... Ah bah ça, alors là, j'ai me là-haut carrément. Super. C'est pour ça quand j'ai... Yes. Attends, on peut jouer, sérieux? C'est pour ça quand j'ai joué à Doom, les gens, il y avait plein de gens, en général les plus jeunes, ils étaient là, ah ouais, mais c'est pas comme Doom 3, c'est, ça n'a ça rien à voir avec Doom 3, etc. Enfin, ils se plaignaient que c'était pas le même jeu, quoi. Alors qu'en fait, bah, Doom, le dernier Doom, il est plutôt bien fait par rapport à Doom 1 et 2. Et Doom 3 n'a rien à voir. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un jeu d'horreur principalement. Donc il a l'air d'avoir une histoire sympathique. Hello, Mystical Dragon, ou bienvenue, je ne sais pas. If you speak English or French, I welcome you here anyway. Tu parles pas français si j'écris. Il faudrait vraiment que tu fasses le master du 1, je crois que tu kifferais. J'ai joué un Doom 2016. Je l'ai fini, King Kim. Ok. ça, j'avais déjà vu quelque part, je sais pas où. Je me demande si c'est pas Z-Win, justement. Ok. Sauf que Doom 3, graphiquement, a bien vieilli. Ben, il date un peu quand même. 2008, non ? 2008. Non, 2000. Non, non, plutôt que ça. Non, non. Allez. Qui c'est qui me regarde ça sur Wikipédia, sauf si vous savez déjà. Bon, je me balade un peu partout. Attention. Le docteur Radic est prié de se présenter au bureau de gestion de l'environnement. Allez faire votre rapport dès que possible au sergent Kelly, au poste de commandement. Tiens, truc qui vient de m'arriver. Je viens de casser une ampoule en la dévissant. Le verre s'est joyeusement fracturé. Voilà, salut. LOL. 2006, ok. Merci, Spectrum. Ah, tu parlais de Gears of War, King Kill. Ok, bah ouais, carrément, moi je suis... Il est sur PS3, Wait not. Ne perdez pas de temps. Allez voir le sergent. Wait not. S'il est sur PS3 ou sur PC, Et vous savez quoi, ça me fait penser, là, ça me fait penser à Half-Life plus qu'à Doom, hein, parce que... Sur... Vu le bruit, en plus, c'est du Half-Life, le bruit, là. J'espère qu'ils vont nous filer une carte au bout d'un moment, parce que là je suis vraiment paumé. Quoi. J'essaie de reconfigurer ce truc, j'ai pas le temps de discuter là. Oui, chef. Bonjour. Hey, vous n'avez pas des ordres à suivre. Oh, Viking. Ah ah ah. Jeu de mots, lol. Ok. Ils sont en soldat. Voilà où nous en sommes. Un autre membre de l'équipe scientifique est porté disparu. Puisque vous êtes le bleu ici, c'est à vous de le retrouver. Je veux que vous alliez fouiller l'ancien complexe de communication. On a de bonnes raisons de penser qu'il va par là. Le seul moyen de s'y rendre est d'emprunter le passage de service sous Mars City. J'ai programmé cette sentinelle pour vous guider vers l'ascenseur de maintenance. J'espère que vous suivrez la sentinelle mieux que vous n'avez suivi les ordres jusqu'à présent. Vous pourrez trouver de l'équipement au point de contrôle de sécurité au pied de l'ascenseur. Oh, et lorsque vous le trouverez, contentez-vous de le ramener ici. Ne lui faites pas de mal. Filez maintenant. Ok. Il est sur Windows 10 Shop. Windows 10 Shop. Ça veut dire que tu me proposes d'acheter un truc sur une boutique Microsoft. En 2006. Ok. En 2004, Spectrum. Ok, d'accord.
Pas mal de missiles, c'était Shadow of the Colossus qui avait... Ouais, bah comme j'aime là-haut, Lagdar en fait, apparemment. J'ai pas joué moi non plus, mais c'était Shadow of the Colossus, c'était que du les consoles. J'ai vu un truc. Pas le temps de discuter, on a tous les deux du travail. Vous avez entendu, Sarge? Il vous a confié une mission, rompez, soldat. J'ai pas écouté, ok. Tu veux le bot sentinelle jusqu'à l'ascenseur. Okay. Bonjour, monsieur le bot. Madame, monsieur. Voilà. Oh, très important. Très important, je pense. Non, non, reviens. F5, F9, parfait. Je voulais juste savoir ça. Si. Mais Shadow of the Colossus, j'en ai entendu que du bien, effectivement, et À tout le personnel de UAC, vous voulez gagner davantage de crédits, portez-vous volontaire au laboratoire de Delta dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, consultez votre directeur. Ce genre de classique console, que j'ai loupé parce que j'ai jamais été très console, en fait. Faudrait que je me rattrape. Et j'espère qu'un jour je me rattraperai. Bah déjà, on est en train de faire Resident Evil, c'est pas mal. Je pense comme dans le genre classique. Je veux peut-être aussi à Kingdom Hearts. Ça, c'est pas mon trip, je crois. C'est du JRPG, ça, Kingdom Hearts, il me semble, non? Je vais pas dire de conneries. Localiser l'entrée de service. Enfin, j'imagine que... Là. Bref, placard, lisez le journal audio d'Adam Bernèche qui vous avait transféré sur votre PDA en le ramassant. C'est marrant, à chaque fois que j'ouvre mon... Il me remet la souris sur l'autre écran. Si il gère les plusieurs écrans, en fait. J'avais vu en magasin avec son guide pour 40€ chez Adam Colossus. À l'heure actuelle, tu veux dire? Journal audio du technicien de maintenance Adam Bernèche, le 10 novembre 1945. J'ai réparé les couplages des boucliers thermiques ce matin sans rencontrer de difficultés. Par contre, il s'est encore produit quelque chose d'étrange. Je venais juste de terminer l'ajustement du premier couplage quand j'ai entendu une sorte de murmure. J'ai cherché l'origine du bruit, mais... Enfin, j'ai aussi vérifié sur l'agenda de travail, mais personne d'autre n'était censé travailler dans cette zone aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est qu'après avoir entendu les histoires que racontent les gars des Labos Delta, tout ça m'a foutu une trouille bleue. J'ai de plus en plus de mal à me rendre dans la zone de maintenance souterraine. Les gens qui bossent là-bas ont l'air étranges, toujours en train de marmonner. L'endroit lui-même est inquiétant. J'ai toujours l'impression que quelqu'un va surgir d'un coin sombre pour se jeter sur moi. J'ai rangé mes outils et le modulateur défectueux dans le placard de rangement près de l'ascenseur de la maintenance, le code d'accès pour les techniciens et le 396. Fin du journal. 3, 9, 6. Yes! Je suis trop fort. J'ai chopé une arme et c'est tout. Ok. Et tu... J'imagine que je vais là. Hein. J'étais pas sûr à 100% en fait, mais... Première installation, martienne multi-usage de niveau inférieur. Oh, vas-y, là! Le jeu, tu pourrais au moins mettre un bouton... Pour passer, genre cliquer. Appuie sur un bouton pour passer. L'endroit le plus sinistre sur Mars. Vous allez devoir prendre une armure et neutraliser votre arme pour que je puisse vous faire passer la sécurité. Ça me va, ouf. Ok, prenez votre équipement. Maintenant, vous êtes prêt au combat. Laissez-moi faire un test radio. 2 secondes, mec. Parce que là, clic droit pour sauter, c'est super bizarre dans mon monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'accroupir. S'accroupir, ça va être... Là. C'est... Non, sérieusement. Non. On se la refait, au moins crispé. Shadow of the Colossus, c'était la première fois que je voyais une histoire aussi poussée. Ah ouais, c'est à ce point-là. C'est du JRPG Kingdom Hearts, ok, d'accord. Non, c'est la voix de... Ouais, c'est la voix de Tilk. Carrément, Jim Lowe, c'était la voix de Tilk. T'as raison. Mon dieu. Ok, alors qu'est-ce qu'ils ont foutu en X, quoi, sérieusement? Bah, y'a rien. Où est-ce que je peux pas mettre X?
Ça croupir. X, voilà. C'est bon. Donc, est-ce qu'il y a genre un tir secondaire? Il n'y a pas de tir secondaire en fait. Point, point, anti-gravité. Est-ce que je vais pas. Qui est un peu genre. Point anti-gravité. Qu'est-ce que c'est? Ça, là, c'est une arme, on s'en fout. Grenade, cube des. Lampe torche. On va mettre la lampe torche sur le clic droit quand même, si. Attends, merde, je comprends. Ouais. Voilà. C'est, il me semble que. Le truc avec la lampe torche, j'en suis sûr. Mars okay. 5, vérification. Excellent. Bon signal. Ah ouais, c'est sa voix, quoi. On dirait que vous avez été affecté à l'ancien complexe de communication. Suivez le passage principal à l'embranchement souterrain. Après, c'est tout droit. Vous devriez sortir rapidement. Le meilleur moyen de découvrir le paysage martien, c'est d'aller gambader, non? Ok, vous êtes paré. Tu veux pas ouvrir le deuxième placard? Oui. Souvenez-vous, il y a des civils qui travaillent là-bas. Alors ne vous excitez pas et évitez de tirer dessus. Sérieusement, tu veux pas ouvrir le deuxième placard? Il y a plein de guns. Bah, je vais les avoir à un moment donné, donc autant... non, il veut pas... Vous n'avez pas beaucoup de temps, Marine. Vous devez y aller. Pardon. Okay. En effet. Indeed. Bonjour. Quoi? Ça fait un moment que je n'ai vu personne dans le coin. Bienvenue au donjon, camarade. Pas ça, bon c'est... Hé, ne touchez pas à ça! Ah oh bah pardon. Bah je suis désolé, je... Oh là là. Ah non, King Kill, on va pas commencer à faire un carton dès maintenant. Dire... On se calme. Ton perso, il s'appelle Marine. Hey, oh là là. Vous cherchez le scientifique. Je suis pas en train de se pignoler, lui, je pense. Je ne suis pas sûr que vous vouliez le retrouver. Vous voyez... Non, rien. J'étais pas net, toi. Ne m'écoutez pas. Ce que je dis n'a pas d'importance. Tiens, est-ce que... Ah, je peux je pas lui tirer dessus. Pas en parler. J'ai essayé King Kill. Sauvegarder avant, quand même. Ah, j'en meurrai. Ne meurrai pas. Ne meurrai pas, s'il vous plaît. Écoute, bonhomme, j'ai fait ça mille fois. Jusqu'ici pour le faire toi-même. Parce que je suis payé pour vérifier que tu l'as bien fait. Fini de couplage pour qu'on puisse y aller. Ok. Ah, PDA. Il doit y avoir un code alors. Grand baston. Grand baston. Salut, c'est Grand Baston. Responsable des services environnementaux. Le 19 octobre. J'ai entendu un nombre affolant de comptes rendus sur... des choses inexplicables. C'est toujours un peu effrayant d'être sur une autre planète et de travailler en sous-sol. Donc ces commentaires ne sont pas surprenants. Mais ce qui m'inquiète, c'est leur nombre. Les gens ont vraiment peur. Et les rumeurs qui courent sur des expériences ayant lieu dans le complexe Delta n'aident pas. Les variations de tension non plus. Les lumières clignotent en permanence, et les pannes de courant qui durent plusieurs minutes effraient tout le monde. Je fais mon possible pour informer et rassurer les gens, mais on manque de personnel. Des malades se font interner presque tous les jours. Je vais tenir mon directeur informé de la situation et continuer à faire des comptes rendus régulièrement. Donne-moi le code maintenant. Merde, il n'y a pas de code. Ils sont qu'entre hommes sur Mars, il risque pas de repeupler, j'avoue. Eh hey, tiens, Lagdar, en fait, je sais pas si t'as eu mon super long message spam sur Twitch hier, mais voilà, je t'ai filé 4 jeux qui sont franchement bien. Si jamais il y en a un qui t'intéresse, tu me diras. Vu que t'as gagné, c'était dimanche, quoi. Dimanche ou samedi, je sais même plus, le giveaway. Je crois qu'il va mûrir assez souvent. Probablement, Kinky, probablement.
Y a pas de sous-titres, je sais pas. Y en a pas par défaut en tout cas. Gym là-haut. Alors attends, son système. Ben non. activer. Non, y a pas de sous-titres. Normalement, ça devrait être dans l'option système. Hein. Après, je suis fatigué, donc peut-être que. Et non, j'ai pas l'impression. Je pense pas que ça soit dans les options 3D. On va regarder quand même. À chaque fois que je retourne dans les options, il me fout la pointeur sur le. Vision intervertie, maintenant. Que dalle, que dalle. Ah oui, j'ai vu ça sans hésitation. Vanishing of Ethan Carter. Ok, je te filerai le code. Carrément. Bon choix. Bon bah du coup je l'ai dans le pour le code, c'est ça hein. À moins que je fasse 023 mais je. Bah ouais. Okay. Les sourds ils font comment? Bah ils jouent pas. Je sais pas quoi te dire, Jim là-haut. C'est vrai, hein, c'est con. Hein. Comment ça? À la maintenance, vous n'êtes pas capable de faire tourner ces machines? Oui, monsieur, c'est juste que l'équipe scientifique exige beaucoup de ces trucs-là. Arrêtez les excuses et contentez-vous de faire ce que vous demande l'équipe scientifique. Bien, je fais mon possible, mais je ne peux pas expliquer certains phénomènes survenus dans les systèmes. C'est étrange. Faites votre boulot. Ok. Ça me fait trop penser à Half-Life, quoi, sérieux. On va l'appeler Gordon, effectivement, à Noah, je pense. Le héros est pas meuré en fait. Mais ouais, Jim là c'est un petit peu le même trip que les daltoniens. Oh, bon sang. Oh, ça vous prend souvent de ficher la trouille aux gens. Tout le monde est déjà sur les nerfs ici avec tous ces événements étranges. Vas-y, je me suis pas approché furtivement non plus. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? C'est comme Prince of Persia, elle est sous. Merci à que dans l'âme du guerrier. Okay. Oh là là! Système! Merci pour le host! Je pensais déjà que tu hostais en fait. Utilisez votre lampe torche. Oui monsieur. C'est ça qui va faire flipper dans ce jeu, c'est ça. Hein. La lampe torche. Pourquoi c'est ferme? Ah non. Ah mais en plus il y a une... J'ai déjà gâché deux balles, ça c'est fait. C'est plus à faire. Ok, j'ai bien fait de mettre la lampe torche je crois sur le clic. Bon. Scanners. C'est un movie. Ça doit être cool comme pays à visiter la daltonie. Hey, c'est moi le nouveau qui devait aller à l'ancien centre de communication. Vous feriez bien de vous bouger, mon gars. Ce passage ne vous y mène pas directement. Vous devrez marcher pendant un moment à l'extérieur du sas. Vous inquiétez pas, votre combinaison est chargée en oxygène. D'accord. Ah, si. Voilà. 154 balles. Comment je suis riche? Le pays aux couleurs improbables, c'est ça. Les bandits marchent par 4 là-bas. ah oui, ok. En fait, je le sens pas super en fait. Pour l'instant, tout va bien. Hein. Tout va bien. Ok, j'ai un niveau d'oxygène, d'accord. J'ai l'impression de jouer à Dead Space un peu là. Au moins joli. Ça, ça doit être de la vie en fait. Il y a des trucs là. Ramasser des. Ah, c'est de l'armure, d'accord, cool. Mais attends. Hmm.
Je le sens pas. Je vais pas pouvoir. Non. Oh! Merci. Et allez, on se casse. On se casse! Harry, c'est le sergent Kelly. Il va falloir vous manier là-dedans. Fouillez votre zone et ramenez vos fesses à Mars City. Terminé. Oh. Mars City. C'est là que ça va commencer à craindre, c'est ça? Je le sens mal. Communication, ok. Communication. Non, c'est bon. Vous devez me laisser envoyer ce message. Il faut les prévenir tant qu'il est encore temps. Je ne veux pas laisser ce... Vous ne savez pas ce que j'ai besoin. Vous ne pouvez pas comprendre, ni même avoir la moindre idée. Le diable existe. Je le sais. J'ai construit sa cage. Je reçois des relevés à Dormont. Il y a un problème. Impossible de garder le contrôle de ces niveaux. Seigneur. Ok. bah moi je me casse. J'aimerais même pouvoir viser un peu mieux en fait. Ah mais sérieux? Sergent Kelly à toutes les unités. Nous sommes attaqués par une force ennemie inconnue. Retirez le QG des Marines pour vous regrouper. Ok. Je crois que c'est bon là. C'est commencé là. Repliez-vous au QG des Marines et attendez les ordres. QG des Marines. Alors, je pense pas que les dégâts soient localisés en fait. C'est le bordel, ouais. Ça y est, c'est bon là. Ok. Eh merde. Ça fait pas aussi peur que Dead Space. Oh. Pas pour l'instant. Mais peut-être. Ça va peut-être venir. Ça va peut-être venir. Oh putain. Je comprends pas trop comment les dégâts sont gérés. Tout à l'heure j'ai tiré deux balles dans la poitrine et il est mort et... Alors 4 dans la tête. Ah oui mais si je... Oui mais faut viser quand même un peu là LT, s'il te plaît. Si j'ai pas voulu regarder le film ça m'a pas attiré du tout. Ah, en même temps, quand tu connais Doom 1 et 2, regarder un film dessus, c'est pas... ce qui est pas le plus bandant, en fait. Enfin, c'est ce que je me dis aussi. Hein. Mais... peut-être au final... Après le 3, j'aurais envie de regarder le film. Il y avait un autre. Oh putain! Ah non, mais King Kill, tu sais que moi elle est FPS. Hein.
FPS c'est moi putain. Attention, poste de commandement à toutes les unités. Entrez au quartier général des Marines et attendez les ordres. Merci. Ah, what? Hein? Où ça? Comment? Pardon? Ah merde! Putain! D'accord. Sauvegarde, petite sauvegarde. Oh merde. What? Maintenant, je sais pas pourquoi. Le tir à la tête, c'est useless ou c'est la difficulté qui fait ça? Je sais pas, justement. C'est possible que ce soit la difficulté, effectivement. Mais j'ai pas l'impression que ça avantage quoi que ce soit de tirer à la tête, en fait. Disons que plus avoir de tête les dérange pas. Ouais, voilà, ça doit être ça, effectivement. T'as raison, Anna. Ok, y'a un bras là. Quoi, oh, putain? Ah, par contre, le shotgun dans la tête, ça marche, ça. Ça, c'est cool. Eh, mais dans mes souvenirs. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais. Quand il est sorti, Doom 3, je l'ai lancé. Je l'ai chopé. Et on pouvait pas avoir le shotgun et la lumière en même temps, en fait. Du coup, moi, ça m'a fait trop flipper. Et j'ai arrêté. Et là, on peut avoir les deux en même temps, donc je capte pas. Je ne capte pas. On sait pourquoi ils se sont transformés? Non. J'en viens de là, hein. Là, je descends pas, on passe par là. Mais en fait, ce qui se passe, disons, on sait pourquoi. Ouais. En fait, l'Agdar, si c'est des démons en fait, donc ils sont possédés en fait. C'est ça l'histoire du truc. Si c'est comme dans Doom 2016. Au final, t'as un savant qui essaye d'ouvrir des portails vers les enfers et ils y arrivent. Ok. Putain. Je suis full armure déjà. J'ai oublié de mettre la qualité en source, ça fait du bien aux yeux. Ouais, j'ai. Non. Ah voilà. Allez viens. Viens, il y a des jolis barils là. On voit comment ça explose. Ouais. Je suis pas impressionné hein. Comment ça clop. Ah salut. Oh mais. Ce bruit. J'ai pas beaucoup de life en fait là. C'est pas top. La lampe torche qui vise sur la gauche, c'est spé. Ouais, j'avoue. C'est peut-être pour ça leur tête sert à rien car ils servent le mal et le mal se trouve dans le cœur. C'est bien dit, c'est.
ça semblerait logique. Ça sert à rien. Ah! Ah! Putain! Salope! Tu vois, j'ai shotgun à portant dans la tête et il en a rien à foutre, quoi. Allez, le shotgun c'est la meilleure arme de Doom de toute façon, peu importe le Doom. Hop, hein, prends tout ça, nickel. Le truc là-haut, non. Tchouch. Ouais, je passe pas. Voilà. Merde. Un imp. C'est un imp. Heureusement que j'ai de l'armure. Hein. Parce que sinon, franchement. Ah ok. En fait, c'est pas que ça fasse peur, mais ça surprend. Et je sens qu'ils vont m'en faire spawn partout en fait. Ça. Qu'est-ce que c'est? Aïe! Pourquoi? Dis donc. Oh merde! Vache! Vache! Je sauvegarde là ou pas? Je sais plus jouer à des FPS en hard, moi. Ou alors c'est mal codé et fuck la poésie! Bien dit, fuck la poésie. S'ils sont possédés par les démons, pourquoi des fois pas avec l'obénite et des prières, genre des pistolets à obénite. Peut-être parce que cette histoire d'obénite pour combattre les démons, c'est de la merde. Ah bah non. Pourquoi je suis repassé par là? Oh là là, mais oh là là. Extension du pont dans 7 secondes. Je suis venu par là, moi. On rembat tout là. Quand t'es un PV, c'est vraiment pas cool. Y'a de la life là. Y'a de la life là, je la veux là, je la veux. Là. Oh, il y a de l'armure là. Marche pas. Fais chier. Énerve. À propos du mal dans le cœur, Tales of Phantasia, ok, je ne connais pas. Où est-ce que je pourrais passer? Bordel. Sérieusement. Je veux la life là! Donnez-moi la vie! Donnez-moi la vie! Donnez-moi de la vie! Je cours et que je m'accroupisse. Ça marche pas, hein. Voilà ce que ça fait comme dans Half-Life. Il faut que je m'accroupisse au dernier moment. Non, c'est pas ça. Énerve. Attends, je suis sûr qu'il y a un moyen, quoi. J'espère que c'est un peu plus profond que jumpscare. Il en faut plus pour y rajouter le kino. Ah bah, moi, j'ai toujours, après avoir fait Outlast, ouais. Après avoir fait Outlast et Emily Wants to Play. J'ai hâte à Atlas 2, hein. Vraiment, vraiment hâte. Bon, c'est... j'ai réussi à en récupérer une. Ok, on va lâcher l'affaire. Ça marche pas, ça marche pas.
faudrait que je sache par où aller en fait. Oui, mais c'est les prières, l'eau bénite et le paradis. C'est de la merde, et logiquement l'enfer aussi. Ça passe sur l'autre. Non, mais si ça se trouve, l'enfer existe. Ok. Mais ça s'appelle pas l'enfer, c'est juste une planète extraterrestre. Comme dans Doom en fait. Et l'eau bénite marche pas dessus quoi. Tu vois, juste ça. En fait. Si tu veux bien faire du parcours, c'est Mirror's Edge, pas Doom 3. C'est vrai. Ah. L'armure. Ah mais ouais, mais voilà. Non ? Il y a un truc à faire là, genre il y a un puzzle ou... Je pense pas quand même. Ah, ça c'est cool. Sinon j'avais. Ça donne un truc du style si le mal existe, il réside dans le cœur de l'homme. Mmh. J'avais bien aimé Fear. Eh bah écoute, j'avais prévu de le faire à l'occasion aussi, Fear. Il a l'air effectivement pas mal, mais vas-y, pourquoi je... Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait encore ce jeu? Sérieusement? Sérieusement. Il faut monter en restant accroupi en fait. Que je passe là, je vais complètement mourir moi. Un puzzle. Ok, ils appellent ça l'enfer, mais c'est juste une autre dimension. C'est ouais, c'est ce que j'ai remarqué. Aïe, oh là là. Ça valait le coup? Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Alors faut repasser en fait. Donc non, ça vaut pas le coup du tout. Ah, quoique. Oh putain. Ok. Allez. Je charge parce que ça sert à rien. J'ai encore. Ta 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 ta. Bon. Vite, captez ce qu'il faut faire là. Salut. Ah ouais, mais bon, on est revenu là quoi. Ah. Là c'est nouveau. Là c'est nouveau. Là je sauvegarde. Sinon dans les jeux d'horreur, il y a No Man's Sky, le jeu qui m'a vraiment fait flipper. Ouais, mais alors si tu veux, moi il me fait tellement peur que... Ah. Cool. Gen Life. Moi il m'a fait tellement peur No Man's Sky, même avant qu'il sorte si tu veux, que j'ai jamais eu envie de test en fait. Oh putain, non. Non. Aïe. Oh, ah oh putain, l'enfoiré. Oh ouais, t'es costaud toi aussi. Oh, peut-être pas que je tire dans le casque en fait surtout. C'est peut-être ça le problème. Ouais. Ils sont partout. Ils... Ah. C'est vrai qu'ils sont partout. Et ils surprennent. Hein. Je dis ça surprend. D'ailleurs, Fear, j'ai joué un peu la nuit et j'ai fini par fermer le jeu. Je commence à flipper pour rien. Ah. Tu m'intrigues, Jim là-haut.
What? Où ça, où ça, où ça, où ça? Bah ouais. Tu bluffes, Martinier. Tu bluffes. Aïe, putain! Comment c'est pas juste? Je l'ai même pas vu venir. Comment ça, je suis revenu pour 10 de vie? Bah ouais, faut optimiser, hein. Faut optimiser, parce que sinon... Pire premier du nom, t'es juste génial, j'en ai mouillé les caleçons. Ok, bah je l'ai en plus, hein. J'ai toute la série des fires. Hein. Je les ferai, hein, c'est clair. Hein. C'est juste une malédiction des Indiens de Mars. Pas littéral, pas juste le coup des colons terroristes qui ravaient une vieille puissance. Ouais. Merde! T'es où, enculé? T'es là! Vilain. File-moi le code! Ah, mais on est revenu ici en fait. Le 3 est trop arcade et le 2 ça va, mais je préfère l'un. Ok. Mais en fait, j'ai regardé quelques screenshots. En fait, je trouvais vraiment quand même super moche. Mais il est Sergent Kelly à toutes les unités. Nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. Je répète, identification négative de l'assaillant. Ils se sont sacrifiés. Si vous n'avez pas de route déterminée pour retourner au QG, rassemblez des munitions, établissez une place forte et tenez-les à distance. D'accord, monsieur. Sinon, rien à voir, mais tu connais Among the Sleep? Ouais, je l'ai fini d'ailleurs. J'ai joué. Je l'ai stream. Là où il est dispo sur le. Ah! Enculé! Il est dispo sur la chaîne YouTube, Jim Lao, si tu veux regarder. Tu fais une recherche sur ma chaîne et puis tu vas le trouver. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a pas trop fait flipper. Donc c'était un peu malsain, quoi. Mais c'est tout, quoi. Ok. Et ils vont grimper par les côtés, là. On sent pas du tout... Oh, abusé. Abusé. Tu abuses le jeu. You abusing. Bravo au poste du commandement. Nous avons un mort et plusieurs blessés. Sommes en approche. Envoyez un médecin. Terminé. Équipe Firebird au poste du commandement. La voie du bon oreille est détruite. Impossible de sécuriser le retour à la base. Terminé. Compris, équipe Firebird. Refusez-vous sur la station la plus proche pour y établir un blessé. Terminé. Ils sont costauds, les imps. Hein. Ils sont costauds. Manque de slip fait pas peur, mais c'était pas mal. Ah oui, il est bien, il est très bien. Alors littéralement, il voulait en Inde. Le GPS a déconné, s'est retrouvé sur Mars. Ouais, ça c'est, ça me semble carrément plausible, Lagdar, ça, en fait. Je pense que tu as raison. Sinon dans les jeux d'horreur tu dois vraiment jouer Alan Wake. Ça fait longtemps que tu me le dis, King Kill, mais ça a pas l'air de faire super peur. Mais ouais c'est prévu aussi, ouais. Carrément prévu aussi. Putain, arrête de tirer dans la tête, Elki. J'ai vu que ça marchait pas la tête. Les pays. On est bien là, on est bien. Among the sinon Lone Survivor, je l'ai vu, je sais pas si je l'ai. C'est possible que je l'ai, ouais. Oh putain. Ok. On va le retrouver, le pépère crapahut. Salut. Non. Putain, mais merde. Ça c'est nul.
Ça c'est nul, parce que j'avais pas d'endroit. Ah, si j'aurais pu me barrer par là. J'avais peur d'aller par là, parce qu'il y a Limp. Monsieur Limp, où es-tu? Madame, peut-être. Salut. Sergent Kelly à toutes les unités. Repliez-vous au QG des Marines et attendez les ordres. Le QG des Marines. Tu veux pas ouvrir la porte, là? Ah, je peux peut-être l'ouvrir... Peut-être qu'il y a un bouton. Bah d'ailleurs, ça c'est pour moi. Inventaire. Quasi ouvert. Ouais. Hop. J'espère que ça a marché là. Ouais. Oh, oh, oh. Oh oh. Il est pas content que j'ai ouvert le casier. Pas content du tout. Moi ça me va, je me va bien. Ok. 5. Merci Noah pour le lien. Donc ouais, Alan Wake, un de ces quatre, probablement King Kill, ouais. C'est un Silent Hill 2D de très basse résolution, mais je vois le, je vois l'image sur Steam en fait, de Lone Survivor. Peu importe l'histoire maintenant, si c'est pas ça, je serais déçu, lol. T'as pas Lone Survivor sur Steam en tout cas. Ok, d'accord. Après, est-ce qu'il est aussi, est-ce qu'il est en français, Jimmy, parce que tu sais que pour ça. Oh ah. Tu sais que. Vu que je stream en français pour les gens qui parlent français, j'essaie de faire le moins possible de jeux à histoire, à fort scénario, quand c'est pas français. Les unités de Marines restantes. Je suis dans l'impossibilité de contacter Mars City depuis ma position actuelle. Retournez au QG des Marines pour vous regrouper et attendez les ordres. Terminé. Okay. Putain, mais... C'est oui, c'est fini là. Il y a une... Il y a une... Comment... J'allais dire un cooldown. Il y a un délai énorme entre deux coups de shotgun. C'est un truc de fou. Ok. J'en sauvegarde. Lone Survivor est en anglais sur PC, en FR sur PS4. C'est très difficile à traduire. Pas très difficile à traduire, ok. Après, ça me fait chier de faire de la trad à la volée aussi. Ça dépend, comme tu vois, ça dépend combien, comme, s'il y a beaucoup à traduire. C'est pas que ça soit difficile ou pas, c'est vraiment que ça casse le rythme, je trouve. Alors, moi, j'aime pas en tout cas. Je pensais être le seul survivant. J'ai de la haine de vous avoir trouvé. Il s'est passé quelque chose. Je sais pas quoi, une sorte d'onde de choc. Ça a ébranlé toute la base. Les gens ont commencé à changer. C'était horrible. Je travaillais ici, dans les conduits d'aération. Je sais pas comment je m'en suis tiré. Ramenez de l'aide, s'il vous plaît. C'est un peu mort, hein. Enfin, je veux pas être pessimiste, ni te sembler vachement négatif, monsieur R. Rémi, on va t'appeler Rémi. Rémi Roland. Mais c'est mort, hein. Enfin... T'es mort, en fait. Bientôt. Ok, j'ai sauvegardé il y a 2 secondes, c'est pas ça. C'est peut-être aussi sur PS3 et Vita. Ah, PS3 ça pourrait peut-être se faire. Et sinon je peux peut-être chercher, voir s'il n'y a pas des fans subs. Soyez prudent, on ne sait pas ce qu'il y a par là. Je sais pas non plus, mais on va le découvrir. Pas longtemps. Ok. J'aime pas les labyrinthes. Je suis à l'école, j'ai écouté leur partage Super Size. Je vous conseille, c'est vraiment bon. Super Size Me. Oh, je l'ai vu il y a super longtemps à King Kill. C'est. Après, tu vas plus au McDo. Pendant. Il y a un truc qui a explosé là. Quelqu'un qui a eu la diarrhée de la tête. Comment ça, ça se dit pas, la diarrhée de la tête? Si je veux. Je parle en anglais, ça me gênerait pas, mais s'il y a des sous-titres français, ça ferait pour tout le monde. Bah, c'est clair, Lagda. C'est clair.
Moi j'ai pas de soucis avec l'angle non plus, évidemment, mais mais effectivement je veux faire je veux qu'il y ait un maximum de kinos qui puissent suivre. Je sais qu'il y en a plein hein, des kinos qui parlent anglais, qui comprennent l'anglais sans souci. Pas tous, tu vois, par exemple typiquement Kojima, Twista et Kojima, qui sont des kinos de la première heure, ils parlent pas anglais. Merde, je suis con. Couillon. Ah, fais chier. Ah bah, c'est... ok. Oh putain! Non, 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 non! Ils font mal, ces cons. Je crois que c'est ceux qui font le plus mal, là, jusqu'à maintenant. Vache! Ouais. Le kiff, vu qu'il est américain, nous. Ouais! J'étais laissé quand il est ressorti ce reportage, et comme ça. Je ne l'avais pas au McDo, donc j'ai bien rigolé. Ah oui, si. Ouais. Bonjour. Le nap. Eh, ce blup blup, c'est le, ça vient de Half-Life, quoi, sérieusement. Ça fait plusieurs PDA qu'on a pas lu. On va regarder ça un petit peu. Petite pause lecture. J'imagine que le jeu se met pas en pause. Bref, la BF est une exclusivité de PlayStation. Ok, d'accord. Moi je dis, je pense qu'il y a des gens qui ont probablement trouvé des trades. Enfin, fait des trades pour le jeu s'il est modable. Personnel, on s'en fout. Franck Delahue. Énergie demandée. Journal audio de Franck Delahue, directeur de l'ingénierie affecté à la production d'énergie le 18 octobre 2145. Le réseau électrique enregistre actuellement une surcharge de 23% par rapport à sa capacité normale. J'ai fait passer les équipes de travail à 12 heures par jour pour répondre à la demande. La charge en constante augmentation en provenance du complexe Delta est en train de causer des dégâts. À ce rythme, nous allons perdre des systèmes essentiels. Je demande l'autorisation de réquisitionner du matériel d'autres départements pour la maintenance de notre équipement. Bon, je ne sais pas ce qui se passe sur Delta, mais je fais tout ce que je peux ici. Les demandes sont incessantes et les rumeurs qui courent n'arrangent rien. Si ça continue, ça va bientôt être un vrai chaos. Je pense que cet acteur est un petit peu plus en niveau en dessous des autres là. Bon. Dommage, j'ai l'impression que les cours d'anglais en France, c'est pas trop ça contrairement comme anglais au Canada. Ouais. Enfin, moi, quand j'étais à l'école. On avait des cours d'anglais, mais c'était pas. C'était pas ça, ouais. C'était pas ça, effectivement. Mais bon. Je sais pas comment c'est maintenant à l'école. Cours d'anglais en Belgique, c'est une grosse blague, en tout cas. J'ai tout appris des jeux. Ouais, bah, moi, pareil, quoi. Mais. Je sais que, par exemple, ouais, en Allemagne ou dans les pays nordiques, c'est. Même en Hollande. J'ai un pote hollandais, c'est un truc de fou. Entre potes, là-bas, ils parlent anglais, en fait. C'est super bizarre. Jamais trouvé de patch FR pour PC. Ok, j'ai mis bon, pas, tant pis. On verra bien. De toute façon, j'ai tellement de jeux à faire que c'est pas grave. Mais en tout cas, de toute façon, ce jeu-là, il est dans... Je l'ai en tête, et dès que je le vois à pas cher, je le prends, quoi. Je suis en presse DJ sur PC. Ouais, je pense. Ok. Journal audio de Franck Delahue, directeur de l'ingénierie affecté à la production d'énergie le 24 octobre 2145. Les problèmes de récupération continuent de parasiter le processeur central. La semaine dernière, deux valves encore ont subi une surpression. Ces surpressions peuvent les détruire, provoquer des jets de flammes ou suffisamment de chaleur pour brûler un équipement sensible à proximité. Jusqu'à maintenant, on ne m'a signalé qu'un accident à la suite de ces problèmes de valves. C'est surtout grâce à l'intervention rapide de l'équipe d'ingénierie. Notre procédure consistant à entrer le code d'échec 842 dans le terminal est efficace. Nous allons continuer à travailler ainsi. 842.
Mark Stanton, contrôleur des manifestes à Mars City. Ne sachant pas à qui adresser cela, je l'envoie à plusieurs personnes. Si vous êtes sur la liste des destinataires, veuillez prendre le temps d'écouter ce rapport. C'est important. Je m'inquiète beaucoup au sujet des procédures de transport ici. C'est moi le contrôleur des manifestes, et je dois en conséquence être informé de tout ce qui entre et sort de Mars City. Mais quelqu'un cherche à me déstabiliser en m'empêchant d'avoir accès aux manifestes d'embarquement. C'est intolérable. Non seulement cela risque de me porter préjudice, mais c'est mon travail, et j'en ai marre qu'on se moque de moi. Je ne sais pas qui permet au personnel de transport d'embarquer telle ou telle cargaison sans manifeste, mais cela doit cesser. Un des ouvriers sur les docks m'a littéralement dit de foutre le camp lorsque j'ai tenté d'arrêter le chargement d'un conteneur à destination de Delta. J'ai immédiatement rempli un rapport et j'en référerai au directeur du trafic la prochaine fois que je le vois. Fin du journal. Ok. Dis salim, yo! Comment vas-tu? C'était quoi, 8-4-2, je crois? Oh merde. Pardon, le clavier. 8-4-2, je crois. C'est Callisto Wilson, la poste de commandement. J'ai perdu mon équipe. Ils sont tous morts. J'évolue en aveugle. Quels sont les ordres? Terminé. Sergent Kelly à spécialiste Wilson. Restez vigilants. Allez au dernier point de ralliement et sécurisez votre position. On vient vous chercher. C'est vraiment cool. Bah, cool de te voir. Content de te voir ici. Après. Après le message que j'ai reçu sur Steam. ça m'avait bien fait marrer en tout cas. Salut poupée, hein. ouais, salut. Ah, attends, où est-ce qu'il est le code? Où est-ce qu'il pourrait être ce code? On s'en fout un peu en fait. Ah, y'a quoi là? Oh putain! Salut! Salut! Ok. Darkseas, comment vas-tu? Content de te voir ici! J'arrive et tu maltraites les ordinateurs, mais ouais, mais aussi ils sont en travers de mon chemin. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment ça va, Darkseas? Bien aussi? C'est de la programmation en plus musclée, lol. Ma copine s'est mise en tête de hacker mon compte Facebook, mais comme elle y arrivait pas, elle a fait pareil avec Steam. Quelqu'un connaît The Plan? Ah, je garde ticket dans 10 000. Je l'ai mis en... Je l'ai... comment? Je l'ai dans ma bibliothèque. Je me l'avoue depuis que tu m'en as parlé il y a quelques années. Yes. Il y a quelques années. Je suis fou, moi. Il y a quelques mois. Wow. Désolé, je... Donc il y a quelques années, Jim Lao, hein, nous avions 5 ans et demi, tu m'as parlé de The Plan. Et tu m'as dit que c'était bien. Donc je l'ai installé. Et depuis, il est dans ma liste des petits jeux à faire quand on a que 10 minutes. Et je le ferai un jour. Voilà, sûr. Ah, salut. Oh, bah dis donc. Mais shotgun en pleine tête, t'en as rien à foutre. Sérieux. Même pas, elle explose ta tête. Bonjour le studio, le corbeau, comment ça va? T'es réveillé à cette heure-là, c'est cool ça. Bah écoute, c'est les nouveaux horaires. En semaine, c'est de 3h à 5h du mat, heure française. Parce que je peux tout simplement pas me lever assez tôt. Je crois que je t'avais pas vu, toi. Toi, t'as pas de tête, par contre, donc effectivement. Content de te voir ici, El Corbeau. Ok. Effectivement, Zewin m'avait pas menti, hein. A priori,
C'est pas si difficile que ça. J'ai bien fait de le mettre en vétéran en fait. Par les devs de Among Us Sleep. Ah ok, d'accord. Cool, cool. Ça va, je me lève pour aller bosser et je vois Kino, ça fait plaisir. Et ben voilà, tous les mercredis matins et les vendredis matins d'Access, tu hésites pas à passer ici. On sera live de 3h à 5h du mat. Voire un peu plus même. Oh, tu brûles. Voire un peu plus, hein. C'est pour remplacer les horaires de 22 à minuit d'avant. Et vu qu'en général je traînais un peu plus. Oh merde, 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 merde. Non, peut-être pas. C'est bon? Y'en a plus? On dirait qu'il y en a plus. The Plunge est juste pour le LOLs. Ouais, ouais, ça m'a... T'inquiète, Jim, là. Ouais, pas de soucis. Jim, là, propose des jeux, mais des bibliothèques Steam, LOL. T'as vraiment une bonne mémoire malgré tout, Elki, parce que je viens pas si souvent et tu te souviens encore de moi. Certains streamers oublient vite les gens qui viennent pas souvent. J'ai la mémoire des noms, en fait, surtout des... Comment on peut dire des moments, en fait. C'est-à-dire que toi, je me rappelle de toi parce que t'es arrivé sur XCOM 2. Je me rappelle bien. Oh, il est gros, lui. Et là, tu vas voir, ça va pas être ça, ça va pas être XCOM 2. Ok, non. Mais ouais, j'essaie de me rappeler de la plupart des gens. Après, c'est vrai que. Bah, en même temps, j'étais sur Steam aussi, tu vois, tu m'as invité sur Steam. Donc ça aide à pas oublier les gens quand tu vois le pseudo de temps en temps. Oh putain! Non, oh, il y en a deux! T'as 20 PV à chaque fois à la baballe, alors que j'ai de l'armure. Ah, mais ça doit pas toucher à l'armure, ça, en fait. Pas toucher à l'armure, en fait. Moi, je propose Dark Souls 3, Dark Souls 3 Game Plus. Alors, en fait, on est en mode horreur en ce moment, parce que, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a même une commande qui est point d'exclamation horreur. L'idée, c'est de faire des jeux d'horreur comme je le fais, j'avais fait l'année dernière en octobre pour Halloween, mais vu que ben j'étais en plein déménagement, j'ai pas pu le faire, donc c'est maintenant qu'on fait ça. Et voilà, on fait du Resident Evil Dead Space, Sanitarium et Doom 3. Et Doom 3, c'est pour les horaires de nuit. Une fois qu'on aura fini ça, ce sera du Dark Souls qu'on fera la nuit. Donc si vous voulez venir me voir me faire massacrer par ces putains de Einstein et Smog que je ne peux pas saquer, et ben un jour on les butera. N'hésitez pas à passer. Un pitié, oui. Ouais, même pas. Ah merde. Je suis venu quand Sigmund m'avait parlé de toi sur un jeu indé. Moi, je me souviens absolument pas du nom. Tu venais d'atteindre les 990 follow grâce à moi. Un jeu indé. Ah merde, bah tu vois. Ouais, j'hallucine. C'était pas C'était Ruzar qui s'allume. C'était Ruzar. C'était un jeu, un RPG à la Legend of Grimrock ou la Dungeon Master, case par case. C'était Ruzar. Voilà. Ça y est, je m'en rappelle maintenant. Tu vois, alors je dois. Il y a quelqu'un d'autre qui doit avoir un pseudo un peu comme le tien qui était venu pour XCOM 2 alors. Ça y est, je m'en rappelle. Au fait, Children of Morta, quelqu'un connaît, ça me dit rien, Jim, là-haut. Le dur sera fait après, c'est de là. C'est ce qu'on m'a dit, Kinky, là, ouais. T'as joué à la saga Witcher? Non, Lagdar, mais je les ai. Merde, je voulais dire le truc. Je les ai, les Witcher, et j'ai jamais fait parce que... j'ai joué 2-3 heures, je crois, au premier, et ça m'a pas plus attiré que ça. Maintenant, je sais qu'il est un petit peu niveau gameplay, c'est un petit peu vieilli, quoi. Et on m'a dit que je pouvais jouer au 3 directement, mais
pas trop envie, j'ai envie de faire... Si je fais la série, ce sera... si un jour je peux stream 8 heures par jour, je ferai les Witcher, ouais, ça c'est sûr. Mais tant que je suis en temporaire comme ça, je préfère faire des jeux que j'ai vraiment envie de faire, et Witcher en fait pas partie pour l'instant. Journal audio du docteur Cassian, actuellement sur Mars City. Je quitte à l'instant la réunion hebdomadaire du département médical. Le sujet le plus important que nous ayons abordé concerne le nombre important de cas de désordre psychologique traités dernièrement. D'après le nombre de rapports, 10% du personnel de la base montre des symptômes. En comptant tous ceux qui ne viennent pas nous voir pour ce genre de choses, on peut porter la proportion à 30 ou 40%. Le cas s'est même produit ici dans le département médical. Plusieurs infirmières et deux médecins compétents ont quitté leurs fonctions pour ces mêmes raisons. Je vais demander formellement de faire venir deux psychiatres supplémentaires par la prochaine navette en provenance de la Terre. Les nôtres ici sont débordés et leurs séances avec les patients commencent à les affecter. Docteur Cassian, terminé. Okay. Ouais, c'est ça, R-U-Z-A-R. J'ai fait Dark Souls 1 mais... et 3, mais pas le 2, donc ça sera une surprise. Cool, Kinky. Je suis aussi passé quand tu faisais du XCOM. Ah, oui, c'est peut-être pour ça que je me suis trompé, effectivement. Witcher 1 et 2 égale Witcher 3 égale best game of all time. Ok, je note. Commencez avec le 2 puis le 1 et enfin le livre en attendant le 3. D'accord. Ah mais on m'a dit que du bien du 3 et Nikum l'a offert en plus. Donc j'y jouerai un de ces 4. Le truc c'est qu'il est sur chez GOG. Je l'ai pas sur Steam, je l'ai sur GOG et j'y pense pas en fait. Docteur Thomas Cassian. À 15h47, le patient Jonathan Wills a été interné après s'être plaint à plusieurs reprises d'insomnie et de nausées. D'après l'infirmière, M. Wills était calme et ne montrait aucun signe de désordre lorsqu'il a été admis en chambre 5 pour examen. Mais quand je suis allé le voir vers 16h10, sa personnalité avait complètement changé. Quand je suis entré dans la pièce, M. Wills m'a menacé d'un scalpel, apparemment dérobé dans un tiroir. Avec un aide-soignant, nous l'avons maîtrisé et mis sous sédatif sans encombre. Monsieur Wills suivait un traitement lourd et nous n'avons donc pas pu établir de diagnostic précis. Nous l'avons laissé seul 20 minutes au cours desquelles il a réussi à se graver 3 symboles sur le bras et à se couper la langue en deux. Ok, d'accord. Je ne peux qu'émettre des hypothèses. J'espère que les nouveaux psychiatres vont bientôt arriver. En attendant et en conséquence de tout cela, tout le matériel médical et les armes seront enfermés dans une armoire de l'hôpital dont le code est 347. Alors, putain, mais faut noter. Docteur Cassian, terminé. Là, ok. 347. Est-ce qu'il est. Il est. Ah bah, d'accord, super. 3, 4, 7. Merci. Mais qu'est-ce que c'est ça d'être full life et tout là? Pourquoi? C'est pas du jeu. Je devrais pouvoir embarquer ça pour consommer plus tard. Je suis arrivé par où? Par là? Ah non. Oh putain, il est gros. Un psychiatre, mais achevez-le. C'est un des rares jeux où tes choix ont de vraies conséquences sur tout le 3. Deux premiers, c'est pas vraiment des choix, mais des histoires différentes. D'accord, ok. Ok, c'est... Mais faudrait que j'y joue, faudrait. Et encore une fois, voilà, il y a tellement de jeux, pas assez de temps. Trop de jeux que j'ai envie de faire. Relève pas, toi. Salut, on est sur Mars, on s'en fout des lois terriennes, wesh, c'est clair. Les corps disparaissent vite, j'avais pas encore vu. Ouais, ils désintègrent direct en fait. Ils désintègrent direct.
Je pense qu'ils ont eu du mal avec le moteur à la release du jeu et ils ont probablement dû faire que les cadavres ne restent pas en fait. Je me rappelle à l'époque c'était un... Quand on avait des cadavres qui restaient dans un FPS comme ça, surtout en multijoueur par exemple, les gens le remarquaient vraiment quoi. Ah. Je suis désolé mec. C'était Soldier of Fortune je crois où les cadavres restaient, même les bras, les têtes. Au cas où hein, au cas où. Parce que bon... J'aime bien l'ambiance sonore. Qui derrière toi, attention, t'as eu peur hein. J'ai eu peur. Carrément. J'ai carrément peur. Non mais sérieux, j'ai vraiment eu peur. Ouais, mais ils vont tous se relever là, c'est ça? En tout cas, bah ils sont tous morts. Là. Y'a rien à loot ici? Ah non. C'est pas ça. Désolé, je saurais pas tenir les 27 minutes restantes de Bunny Lekino. Ah, y'a pas de soucis, hein, Noah. C'est déjà super cool de ta part d'être resté. D'être resté éveillé pour pouvoir venir, c'est super cool. Et puis bah écoute, bonne nuit à toi et les gens, si vous voulez, n'hésitez pas à follow à Noir. Il a des petits soucis de net en ce moment, c'est un peu chiant. Soldat. Mais il stream toujours. Je n'arrive pas à croire que vous soyez toujours en vie. Toutes les voies de sortie du complexe Delta sont bloquées. Je ne peux pas retourner à Mars City. J'ai établi un PC ici. Je centralise les rapports de toute la base depuis le commandement central Delta. Et je peux communiquer avec les autres équipes de Marines. Votre mission est de retrouver l'équipe Bravo et d'effectuer cette transmission. Rendez-vous au laboratoire Alpha. C'est le meilleur moyen de les trouver. Je mettrai à jour d'ici les autorisations sur votre PDA. Félicitations et bonne chance, Marine. Comment ça se fait que lui survive et pas tous les autres? C'est louche, moi, je dis. J'en ai l'équipe Bravo dans les labos Alpha, passez par l'administration et accédez au labo Alpha. Et donc voilà, je disais, donc n'hésitez pas à aller follow Noir. Fait du WoW en ce moment. C'est plutôt sympathique et espérant que tu résolves ton souci de connect assez rapidement. Noir quand même. Ah, le PDA là. Il doit... Je suis sûr qu'il doit filer le code. Bordel. Puis moi le... L'ANP, pardon. La... Oh là là. Comment je fais pour le choper? Je fasse le tour. Je vais faire le tour. Je passe par là. Oh putain! J'avais bien entendu, mais. Je suis revenu un peu trop tôt. Le qui homme de ménage, je retire tous les cas. D'ailleurs, ça me donne envie de jouer à Viscera Clean Up Details, cette histoire. Je sais pas si vous connaissez, mais... ça a l'air super fun. Ok, donc je vais bien pouvoir... me recharger, là. Où est-ce qu'il est, le... J'ai l'affiné ? Voilà. Donc ça doit être... Comment je gâche? Comment je fais pour passer? Si je m'accroupis, ça va passer? Il faut que je pète un truc. Est-ce que c'est un débat? Et le Titus Remaster, si, il est quelle heure chez toi? Il est 22h36, King Kill.
Al Corbeau. Merci King Kill. Et donc comme je disais, Al Corbeau, depuis mon déménagement, les horaires ont changé. Donc tu... Alors, je vais te mettre la commande. Voilà. Et tu vois que en fait, le mercredi matin et le vendredi matin, maintenant, je stream de 3h à 5h du mat pour les Français. Ah ouais, fallait que je m'accroupisse en fait, c'est ça, c'est tout. Du coup, et ben, si toi t'es debout à cette heure-là, bah tu me verras le mercredi matin et le vendredi matin. Et pour moi, c'est 21h, 21h, 23h en fait. Ok. Donc, on va écouter le PDA. De Bill Tyson. Bonjour Bill Tyson. Rapport audio sur le moral des troupes. Le moral des troupes ne s'améliore pas. Rien de très grave tant que je garde mes marines affûtées et prêts à agir. Mais les événements survenus à la base commencent à les affecter. Il se passe des choses étranges. Étranges et difficiles à comprendre. Je pense que ce sont les expériences de l'UAC qui en sont la cause. Comme il n'y a aucune réglementation ici, ils peuvent faire les expériences qu'ils veulent. Plusieurs personnes sont portées disparues. Pas des marines, bien sûr, je parle de civils. On nous cache quelque chose. Quoi qu'ils trafiquent, le résultat, c'est que mes hommes sont prêts à craquer. Il n'y a pas encore de quoi s'affoler, mais je suggère que les roulements d'escadrons se fassent désormais tous les 90 jours au lieu de tous les 180. Je continuerai à envoyer des rapports sur la situation. Je suis soulagé par l'arrivée des renforts. Ça nous fera du bien de voir de nouvelles têtes. Sergent Tyson, terminé. J'avais pas vu ce que t'as dit qui s'allume. Effectivement, j'aurais dû essayer avec le pompe de faire levier, ouais. Tu vas bosser Darkseas, bah écoute, bon boulot à toi, bon courage, merci d'être passé, et puis bah écoute, le prochain live ça sera vendredi à la même heure, donc vendredi matin de 3h à 5h du mat, vendredi pour vous, jeudi soir pour moi, pour la suite de Doom 3, donc n'hésite pas à passer Darkseas vendredi, ciao ciao et bon courage. Je me souviens d'un type de jeu où je vois ce sol similaire à ton jeu. Je me souviens de ça, c'est parce que je suis passé les yeux rivés sur cet article. Je suis d'accord, le corbeau. D'accord. Et ben, ça arrive. Journal audio confirmant le nouveau déploiement de troupes pour l'usine militaire de Mars City le 30 octobre 2145. Les nouvelles troupes arriveront dans quelques jours. J'ai commencé une série d'exercices d'entraînement aux petites armes de combat rapprochées, ainsi que des cours obligatoires sur toutes les armes et les munitions de notre arsenal. En raison des nombreuses failles dans la sécurité et du malaise général, j'ai renforcé la sécurité en plaçant deux marines à chaque point de contrôle. Cela devrait calmer un peu les angoisses. J'espère que les soldats qui arrivent ne sont pas aussi inexpérimentés que leurs prédécesseurs. Ils ont fini par se roder, mais une certaine expérience au combat ne serait pas de refus aujourd'hui. Sergent Tyson, terminé. Mais y a pas eu de code. Enfoiré, y a pas de code. Merde. Tu seras là, cool, cool, Darkseas, cool. T'es canadien, Elki? Non, je suis pas canadien. Je suis français, je suis même breton. Mais c'est juste que je bosse. J'ai accepté une offre de mon entreprise. Avant, je bossais en Irlande, à Galway. J'ai bossé d'abord à Dublin, ensuite à Galway. Et j'ai accepté une offre pour aller bosser à Baltimore. Donc là, je suis sur la côte est des États-Unis. Donc même fuseau horaire que le Canada. Mais je ne suis pas au Canada. Moi aussi, c'est l'heure de filer à la douche et de se préparer pour le taf. Bon live à vous et bonne nuit à ceux qui vont dormir. Ça marche, Lagdar. Merci beaucoup. C'est cool de t'avoir vu ici. Je te filerai le code sur par MP, par Wisp sur Twitch pour Ethan Carter. Et puis, bon courage. Tu vas aux US pour ton taf. Quelle chance. C'est une chance, effectivement. Après... c'est compliqué parce que j'ai une femme, un gamin, enfin une gamine même, deux chats, et c'était un peu compliqué de trimballer tout ça. C'est quand même une décision assez importante en fait. Ça fait un peu peur, mais ouais, c'est cool. Je vois du pays quoi. Déjà mercredi, je travaille tellement que je vois pas les gens passer. Mais mercredi matin, fidèle comme vous. Ok. Est-ce qu'il y aurait pas un code par là? Ah voilà. PFC Agar, sécurité bot sentinelle. J'ai toujours été Sergent Tyson. J'ai toujours été partisan de mettre des bots sentinelles sur les patrouilles de routine. Ils ont déjà prouvé qu'ils étaient très fiables par le passé, mais ça a changé aujourd'hui. J'ai vu d'autres Noga réparer un bot à Mars City. Alors qu'ils
Il était parti clairement assemblé. Ils ont activé les senseurs pour tester leur réparation. D'un coup, la sentinelle a pris un des marines pour un ennemi a commencé à lui tirer dessus. Les munitions avaient été chargées, le marine aurait été tué. Heureusement, l'autre marine a réussi à immobiliser la sentinelle rapidement. Le bot sentinelle est puissant, peut-être trop. Pourquoi avons-nous besoin d'une telle puissance de feu à Mars City? À part quelques incidents avec les types qui pètent les plombs, on n'a aucun problème. Les bots sentinelles sauront-ils vraiment faire la différence entre quelqu'un qui a juste une dure journée et quelqu'un qui est vraiment devenu fou? J'espère que vous pourrez parler de ça à Sarge avant que quelque chose de grave n'arrive. Code de stockage de l'armement QGN Marine, nouveau code 584. Peut-être que ça peut marcher ça, 584. Yes! Je travaille dans quoi? Dans le service client, effectivement, comme dit Mikil. Je suis un stalker. C'est quoi un stalker? Un stalker, c'est quelqu'un qui va chercher des informations, qui espionne une autre personne. Va chercher des informations sur cette personne-là sans se faire remarquer, en fait. En général, c'est que ça connote un peu le côté malsain d'une personne, on va dire. Bon, il y a plein de trucs, mais en fait... Je suis full contact là. Donc, en fait, ça sert à rien. On testait la mitraillette là. Et donc, il m'a dit qu'il fallait que je fasse quoi? Oups, pourquoi ça fait ça? D'accord. Le gars qui connaît mieux ta vie que toi-même, c'est ça. Celui-là, on a déjà inventaire, pistolet. Toute personne de sécurité militaire de l'US est donnée de cette arme de pointe basique. Fusil à pompe et dévastateur à corps de portée, mais sa grande dispersion rend bien moins efficace au-delà. Fusil mitrailleur MG88 Enforcer offre une cadence de tir élevée avec une grande précision rafale courte. Dotation standard des marines. Ok, bon allez, on se barre par là. Ah bah non, on se barre pas par là en fait. On va se barrer par là-bas. Sauvegarde. Un défi qui... C'est quoi mon deuxième compte? LOL. C'est plus un défi là. Comment? Pourquoi? Il y a une carte ou pas? Non, il n'y a pas de carte ça. Wow. Ah. Pas mal. Pas mal. Pas mal. T'as le corps moche. Mais merde! Genre! Oh, comment il m'a... Comment il a fait? Comment il a esquivé le truc, lui? J'en étais sûr. Ok, cool. Comment c'est téléphoné? Je sauvegarde. Alcorbeau, oiseau, oiseau, alcorbeau, coïncidence, je ne crois pas. Ouais, t'as vu la roulade? Ah. Oh! Faut vraiment faire gaffe en hard, hein. En même temps, c'est hard, c'est normal. Pa-pa-la-pa-pa-pa. Y'a rien ici, y'a même pas un pet de vie. Ah, y'a de la vie là-bas, je crois.
Putain, je pensais qu'il allait avoir... Voilà, je suis sûr qu'il y en a un là. Mais je suis déjà venu ici. C'est normal de revenir là ? Ok, je sais pas trop. En même temps, c'est pas toi que je stocke, mais tu... Ouais, voilà, le principe de stocker, c'est quand même. Le stock. Comment quelqu'un. Faut que t'aies envie de le stocker en fait. Je sais, je capte pas. Il faut que j'aille par là. J'en vais en arrière, pareil. Faut que je fasse quoi? Ça me dit vraiment pas ce qu'il faut que je fasse en fait. Je suis censé faire dodo. Ah. D'ailleurs, pourquoi tu fais pas dodo du coup, Alcorbo? Est-ce que ça veut dire qu'on va te voir tous les matins ici? Oui, c'est exceptionnel. Chier. Ok. Alors je retourne par là. Ah ouais, c'est bien par là, ouais. Ouais, voilà. Bah non, ça veut pas être par là. Là-bas, y'a rien d'autre, hein. Ça c'est fermé. Blop blop. Blop blop. On passe par là alors. Par l'infirmerie. Ah, il y a du bruit là, il y a du bruit. Je vais quand même pas prendre l'armure. Merci. J'ai besoin. Tu l'es. Ok. C'est bon. Il est sur le bon chemin là. Personne ? Mon Dieu. C'est recoin. Oh là là. Et qui porterais-tu ton chandail, David Gels? Non. Je ne l'ai pas. Ton chandail, ton t-shirt. J'ai le Dreamhack.
J'ai Dream High. Mais il faudrait que je vais essayer d'ailleurs de gérer pour que la caméra soit un peu plus basse, mais le fond vert est plus loin qu'avant. C'est beaucoup plus pratique d'ailleurs. Du coup, je suis obligé de faire la caméra comme ça. Mais merde, je suis revenu là, tu te fous de ma gueule. Sérieusement? Ah. Je sais pas où aller, hein, sérieusement. Je capte pas. Puis il y a pas de map. Là, je pensais que vu qu'on avait vu un gars, c'était la bonne direction, mais bon bah je dis mets-le et je vais un coup sûr, ça marche. Attends, ça marche. Il doit être dans une boîte en fait, puisque on a reçu nos affaires là, mais j'ai pas tout sorti en fait encore. Il doit se trouver dans un carton. Yo Kiroa! J'arrive un peu tard, mais ça fait plaisir. C'est pas grave, Kiroa. C'est cool déjà de venir. C'est cool, c'est cool. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Ça fait un moment que j'avais pas stream aussi. C'est normal. Putain, je sais pas par où aller. Qu'est-ce que ça m'énerve. Non, je reviens. Par là? Par là, y'a rien. C'est très longtemps, ouais. Et c'est cool que tu puisses passer, mais écoute, si t'es. Je sais pas si t'es quelqu'un de nocturne ou si tu te lèves tôt pour aller bosser, mais. Vu que j'ai déménagé aux États-Unis sur la côte est, et du coup, certains horaires. Notamment les horaires de semaine ont dû changer. Et du coup, je cherche avidement les kinous qui sont motivés pour partager un peu de leur nuit avec moi. Comme tu peux le voir, il y a déjà pas mal de monde, c'est cool. Et donc en fait, ce sera tous les mercredis matins et tous les jeudis matins de 3h à 5h du mat. Je serai là. Hésite pas, jamais t'es dans le coin à passer, comme aujourd'hui. Voilà. Bonne nuit, Alcorbeau. Ciao, ciao. Merci d'être passé aussi. Personne ne veut me dire ah, où c'est. Attention, non, je plaisante, c'est pas un spoil, je veux pas de spoil. Bon, on va. Il faut. Je pense qu'il faut réfléchir. Réfléchir très fortement. Donc. Voilà, on est arrivé ici, tout le monde était mort. Ah. Et là, on ne peut pas ouvrir la porte. Faut passer par là. Du coup. Ouais, j'ai déménagé aux États-Unis, ouais. Trop stylé, déjà juste lire l'ange, je trouvais ça ouf. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, c'est une décision, surtout en famille, hein, avec ma femme et ma gamine, deux chats. C'est quelque chose de pas facile à faire, de prendre la décision de partir aussi loin. Mais c'est sympa, je pense qu'il faut le faire tant qu'on est jeune, on va dire. Mais je suis plus très jeune, mais bon. C'est les horaires au pluriel. La misère au calvaire, lol, kinky. J'espère que ça se passe bien. Pour l'instant, ça va. Je suis pas. J'attends de voir pour le boulot parce que c'est pas encore. T'es pas encore extrêmement bien défini de ce que je vais faire. Enfin, je sais en gros, mais. Pas rentrer dans les détails. Mais sinon, en tout cas, au niveau de la vie, pour l'instant, on vit et on respire Amazon. Puisqu'on commande plein de trucs sur Amazon. On a l'entrepôt d'Amazon qui est à 2h. Enfin, qui est pas à 2h. J'ai dit qu'il doit être à 5 km de chez nous. Du coup, on se fait livrer les trucs en 2h, c'est ouf.
C'est vachement plaisant. Ah. Est-ce que là... L'UAC est ici pour vous yes. aider. Les services psychologiques sont gratuits et confidentiels. J'ai trouvé. Voilà. C'est de bourrer la porte par un bazooka. Non, pas encore. T'inquiète, perso, je rentre très tard du taf et de soirée, donc ce genre d'horaire est ok. Cool. Cool, cool. Puis bah, le week-end, c'est les horaires à peu près normaux. Puisque le samedi, c'est 20h, 1h du mat. Et le dimanche, 14h, 20h, comme 16h, 20h. Comme avant! Putain de ta mère! Voilà. Bah, c'est cool si tu peux passer. Gentil. Si tu peux passer comme ça, bah voilà, ce sera tous les mercredis et vendredis, quoi. Et je vois que tu rentres très tard du taf, effectivement. J'ai de la misère au calvaire, j'ai du ressentiment dans le sang, c'est comme l'orage dans une cage. Quoi? Retiens-moi, je dévore le corps. Oh là là. C'est trop québécois pour moi ça, King Kill, je comprends pas. Oh là, un gros. Oh putain. Ah, salut. Gentil. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Bah, c'est Doom 3, donc... Enfin, c'est du Doom, quoi. En gros, on est dans une station Soldat, sur Mars. Rejoignez l'équipe Bravo au plus vite. Ils ont besoin de toute la puissance de feu possible. Notre survie dépend de cette transmission. On est sur Mars, on est un marine. Et en fait, subitement, il y a... les gens qui sont possédés par des forces démoniaques et ben on essaie de s'en sortir. Donc on pète la gueule à tout le monde. Voilà. On leur pète tous la gueule. C'est pas plus compliqué que ça. C'est Doom. C'est normal. King, tu veux un psychiatre aussi. Ou alors on t'achève. Mais je vais par où du coup là? Faut que je revienne en arrière en fait. Là, y'a pas le choix. Ah mais tiens, il faut que je suive le truc en fait. C'est une chanson québécoise, d'accord. T'as jamais vraiment, je sais, j'ai la logique de Doom. Il n'y a pas de logique dans Doom là. Enfin la logique c'est un jeu défouloir. Il faut péter la gueule à tout le monde. C'est cool. C'est cool de péter la gueule à tout le monde. Plein de vilains là. Ok. Un peu de life, ça fait jamais de mal. Ok, boum boum, etc. Mais genre les monstres sortent de l'enfer et tout. Ça dépend de. Pour Doom 3, je sais. Enfin. L'histoire, normalement, c'est que effectivement, ils ouvrent un portail vers ce qu'ils appellent l'enfer, mais en fait, c'est pas vraiment l'enfer, c'est notre planète quoi. Et il y a les Strums qui sortent. Et voilà. Donc pour l'instant, moi je découvre Doom 3, je le connais pas. Mais ça a l'air d'être à peu près le même trip, quoi. Sauf que Doom 3 est or. Doom 3 est beaucoup plus horreur hein, que les autres en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un mec. Non! Ah putain, l'enfoiré! Oh, nom de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller en enfer et niquer les boss démoniaques? Bah c'est ce qui se passe dans... C'est ce que tu fais dans Doom. Justement, dans les autres Doom. Pour le 3, encore une fois, je sais pas. Mais j'imagine que ça va être le même trip, hein.
fait chier, il y a plus de... J'ai pris dans ma gueule un peu là. Quitter Mars City. Le robot, il fait le carnage à ta place, il nous vole notre travail. T'es con. Ah, c'est un peu ça quand même. Ouais, ouais. Je crois que vous n'avez pas bien compris, docteur Bedouilleur. Si, je comprends tout. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'UAC prend en charge cette opération. L'opération? C'est ainsi que vous l'appelez? Nous ne contrôlons plus la situation. Elle n'est pas incontrôlable, Swan. Vous, vous l'êtes. Je m'occupe de ça. Vous et vos molosses serez en charge de rien du tout. Compris? Oui, Bedouilleur. Je pense avoir compris. Ok, alors plan B. Oh, les enfoirés. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Dead Soas. Dead Space, c'est vrai que ça fait énormément penser à Dead Space. Alors en même temps, aussi ce qu'il faut dire, Kiroa, c'est que j'ai commencé Dead Space il y a le week-end dernier en fait. On a commencé ça samedi, je crois. Et on a continué dimanche. Génial, Dead Space. À part le maniement, la caméra de merde. Mais bon, on en a conclu que c'était fait exprès pour faire un peu plus peur. Bienvenue dans les laboratoires Alpha. Anciennement désigné Fast vraiment bien, quoi. Département souterrain de la recherche. Que si jamais tu veux voir du Dead Space, ça sera probablement dimanche. Le 29 octobre 2024. Merde. Cette opération le 17 juillet 2024. Prévenir. Marc, il a fait Groom. Était à l'origine le principal organe. Ketchup et maillot jusqu'à la mort. Responsable du développement de technologies de pointe telles que le déconstructeur de phase élémentaire. Et c'est pour ça, on est en plein le demi-mois de l'horreur après l'heure, que j'appelle ça. Hop. Bordel. Non. Oh, lui. De son cool, après t'es pas obligé de poursuivre le 3-5 un peu. C'est ce qu'on m'a dit, qu'il était vachement plus coop et moins peur. Mais on verra bien. Pour l'instant, je fais le 1. Je fais probablement le 2 à un autre jour. Pas forcément pendant ma session d'horreur. On verra bien. Ah, salut. Aïe, putain, tu fais mal. Ah. Ah, putain, on s'amuse avec des conneries des fois, hein, c'est un truc de fou. Ok. Meurs, Satan. T'as compris, Satan, tu meurs. Oulala, une vidéo. Ok. Attends, je reprends ça, c'est plus sage. J'ai faim. Tartare de saumon, mais c'est pas bon ça, le tartare de saumon. C'est du poisson, le poisson c'est pas bon. Tout le lore et le background sont délirants, tu rentres dans l'ultra-gore mêlé à la religion dans l'espace. Ah, attention. Attention, Kiroa, j'ai commencé, je veux pas de spoil. Là, 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 là. On m'a déjà spoil un truc qu'il faut pas que je sache. J'essaie d'oublier. Donc je bois pour oublier. Voilà, je bois. Je bois du thé d'ailleurs, mais. Ok, on en est où? On en est là. Pas de journaux audio, d'accord. Donc j'ai cliqué, j'ai l'air con. Vidéo disque. Bienvenue dans les laboratoires Alpha. Anciennement désigné phase 1 par le département souterrain de la recherche de l'UAC, les laboratoires Alpha ont été mis en chantier le 29 octobre 2095
pour être opérationnel le 17 juillet 2130. Les laboratoires Alpha étaient à l'origine le principal organe de recherche scientifique responsable du développement de technologies de pointe telles que le déconstructeur de phase élémentaire, EPD, l'hydrocone et le compacteur moléculaire pour stockage de carburant actuellement utilisé dans ces mêmes laboratoires. Ces avancées ont permis l'expansion du département de recherche de l'UAC qui ouvre aujourd'hui de nouvelles voies de développement avec la création des laboratoires Delta. Grâce à des investissements et un rythme de travail soutenu, l'UAC continue à tendre vers l'excellence et à construire des lendemains meilleurs. Ok. J'ai dit le tartare de saumon, t'es pas bon, et le petit quoi, allô, c'est le meilleur poisson du monde, le tartare de saumon, comment tu vas, c'est jeune folo, là. Non mais, moi je suis pas ultra fan de poisson en fait. Moi j'aime bien le tartare de bœuf. Bon gros tartare qui tâche quoi, tu vois. Bon bah ça m'a pas donné de code tout ça, c'est quoi ce bordel? J'ai reçu un email peut-être? Non même pas. Pharmacie en ligne, pas besoin de prescription. Nous pensons que commander des médicaments sur le net devrait être aussi simple que n'importe quelle commande. Nous livrons nos médicaments partout dans la galaxie. Embargo, produit interdit, pas de problème. Allez sur www.martianbody.com. Plus d'infos. Alan, j'ai entendu dire que la direction de l'UAC envoyait quelqu'un s'occuper de Baitruger. Tu te nommes Elliot Swan. Je connais pas, mais d'après John, c'est un vrai casse-bonbon. Il dit qu'il voyage toujours sous les escortes. C'est une situation déplaisante. J'espère que ce Swan ne va pas nous mettre des bâtons dans les roues. Nous sommes si près de résoudre les problèmes d'instabilité. Les erreurs de transfert sont désormais très faibles. Je vous tiens au jus. Il se passe quoi que ce soit. Armement dans le placard, yes. C'est à notre précédente conversation, j'ai stocké quelques munitions et une armure de sécurité dans le placard de rangement de notre zone. Le code de la porte est 586. J'ignore ce qui se passe, mais on n'est jamais trop prudent. Prie Dieu pour que nous n'ayons à nous en servir. Apprends quoi que ce soit, je vous envoie un mail. 586. 5. 8. 6. Yes. Oh oh. Ok. C'est vraiment perché. Ils sont perchés, tout à fait. Tout à fait. C'est probablement la couleur qui fait ça. Ils sont roses tous les deux. Ah non, et d'ailleurs, King Kill, il est vert. Hein. Mais sur mon petit logiciel de chat, il est rose comme qui sait. C'est bizarre. Le premier tartare envoyé par la poste de l'univers. Quoi? Ça va pas, non? Ah oh, merde. Filez-moi une autorisation, les gars. Mais ouais, je suis pas passé par là en fait. D'ailleurs, il est l'heure en fait. Il est l'heure, mais Elkinet ne m'a toujours pas prévenu. On va continuer 20 petites minutes. J'arrêterai à la demi. Oh, enfoiré ! Crève ! Et pourriture communiste ! Enfoiré aussi à l'occasion. Et là, du coup, t'as combien de pourcentage dans le jeu ? Oulala, je très 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 tôt. Tiroir, on a commencé à 3h du mat, donc ça fait 2h qu'on joue, donc je sais pas s'il y a un moyen de... Je fais une sauvegarde comme ça, là, une nouvelle sauvegarde. Y a pas marqué pourcentage. Et très très tôt. Je préfère le shotgun, ça vous ennuie pas? Eh ben, le shotgun il est où? Ah. En rose, mais encore mieux que le tartare, tu sais de quoi je parle, le poulet rôti ou le sanglier à la broche. Tu parles de la poutine? Tu parles de la poutine qui me tire, qu'il faut toujours que je goûte. Pas content le... Ah ouais, d'accord. Alors hein.
il y a dû avoir. Bah, c'est ma première mort, dis donc. Je pense qu'il y a dû avoir un. un tonneau quelque part là. Et à mon avis, il y a un tonneau. Ouf, ça fait sprouch. Ah ouais, il y a un tonneau là. Il y en a un autre ? Ah, je me suis fait OS là. Mais c'était à cause du tonneau, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Ce chat a sauvegardé juste avant. Mais je sauvegarde tout le temps en fait, tu vois. Justement pour éviter ça. Je reprends mon. C'est notre boss ? Qu'est-ce que j'allais dire ? Mes bonnes habitudes d'il y a 15 ans. Comme là, par exemple, je sauvegarde. Ne t'arrête pas, mon pote. Tu ne peux plus rien faire pour moi. Ils sont tous partis. Ils ont surgi de nulle part. Ils nous ont pris par surprise. Je sais pas si c'est mon boss, en fait. Il y a encore quelques escouades opérationnelles. Je peux pas l'achever ? Mais elles sont toutes dispersées. Essaye de les retrouver. Bon. Si, on dirait mon boss. Blibli. Ah ouais, mais sérieux, t'as pas... Accès refusé. C'est le PDA de William Banks pour... Ok. William, où es-tu ? Où est ton PDA, s'il te plaît ? C'est super dangereux ici, avec les bidons, là. Le buter avec le... Ouais, j'ai essayé, mais je pouvais pas en fait. Malheureusement. Je rêve, il s'appelle E-Web. E-Web. Bah, l'autre tout à l'heure, il s'appelait Viking. T'as pas vu, Kill Team. Ils ont tous des noms un petit peu fun comme ça. J'ai vu des munitions BFG, non ? J'ai halluciné. Oh, mais sérieusement ? Faut que je fasse quoi, du coup ? Je capte pas, là. Dans Dead Space, faut piétiner les corps, toujours piétiner les corps. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Et c'est kiffant. Attends, faire un dernier tour pour être sûr. Bah, voilà ça, hein. Y'a rien. Là, y'a rien. S'active pas. S'active pas. Là, y'a rien qui s'active. Je peux pas ouvrir ça. On ressort. Ah, faut que je monte là-haut. Ah si, maintenant je peux le buter. Bien. Voilà, j'ai abrégé ta souffrance, mec. Un whip, ça veut dire un gars qui renie sa culture et l'échange contre la culture japonaise et fait l'amour avec des coussins de dessin. Quoi? Ok. Bon bah, c'était e-whip. Mais il est mort, maintenant. Oh oh, ça sauvegarde tout seul. Quand ça sauvegarde tout seul... C'est super mauvais signe en fait. Ah, salut. Il y en a fatalement un autre. Il doit être là. Non ? Ok. Je peux toujours pas aller là.
Ah! Ouais! J'ai presque eu peur. C'est une grosse tache de sang, sauvegarde auto. Ça sent le guacamole. Ah putain, je vais la ressortir celle-là. Oh, salut! Combo Breaker. Ok. C'était même pas une blague? Ok. Bon. Bienvenue dans les laboratoires Alpha. Ferme ta gueule. Anciennement désigné phase 1 par le département souterrain de la recherche de l'UAC, les laboratoires Alpha ont été mis en chantier. Ils m'ont ouvert la porte. Hein. Oh, je le sens pas. Merde. Salut. Salut aussi. Constructeur de phase élémentaire. Non. Merde. Actuellement utilisé dans ces mêmes laboratoires. Ces avancées comme une expansion du département de recherche. C'est pas très chouette. Qui ouvre aujourd'hui de nouvelles voies de développement avec la création des laboratoires. Pas très très chouette. De la vie. Pardon. Bim. Double bim. Merde. Non. Oh là là, salut! Non! Mais. Il y a beaucoup de fois le même ennemi quand même. On est qu'au début, Kiroa, et tu en as. Ça, c'est les imps, mais c'est les mêmes ennemis que dans les Dooms. Hein. Ça, c'est les imps, ceux qui balancent des boules de feu. T'as les Marines comme en démoniaque. C'est tous des humains. C'est le truc, c'est. Voilà, c'est, ils ont capturé. Enfin. Ils ont possédé tous les Marines de la base, et en plus il y a des imps qui sont là quoi, donc au final ça fait que deux types d'ennemis, mais il y a plein de types de marines différents, hein. Mais voilà, ça va venir, hein. après tu vas avoir les chewing-gums, tu vas avoir les la plein de démons qui vont arriver. Pendant ce temps-là, l'autre qui fait son speech. Des boules de feu, c'est des. Mais ouais, c'est des enculés qui tiennent des boules de feu. Vilain. Okay. Quelle heure est-il? Ok, il est 23h20. Encore 10 minutes. Annuler sécurité. Ah bah tiens, voilà. Tu vois? Il suffit que tu le dises. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis dans le caca. Attends. Non. Ah, merde. Non, non. Ok. Je suis pas. Ok. Ah mais non. Allez, on se la refait en moins crispé. Ça marche pas la grenade en fait. La grenade. Ne fonctionne pas. Un spicht, on a compris le spicht. Le spicht. Ok, alors je. Comment. En fait, il faut peut-être que je me barre. Peut-être que je me barre. Ou alors
Non, très honnêtement, je sais pas quoi faire là. Fâche! Oh! Enfoiré, hein? Oh, non, encore! On se calme? On se calme? J'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Merci, Kiroa. On dirait des chewing-gums, mais... Non, c'est pas des chewing-gums. Oh, putain, encore! Foiré! Oh! Putain! Ça... Va falloir que je trouve une technique pour les péter, hein, parce que... Ah! Oh! 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 Oh, oh, oh. Oh, je le sens pas. What? Merde. J'aurais peut-être pas dû sauvegarder à 9 PV, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une mauvaise idée, en fait. C'était une mauvaise idée. C'était une énorme mauvaise idée. Mauvaise idée. Pas de la life qui traîne quelque part derrière. Oh. 9 PV, c'est chaud, ouais. Carrément super chaud. Un chargeur, je m'en fous. Il me semble qu'on a laissé un truc de life. Là-bas, là. C'est déjà mieux. Mais c'est pas la grosse stuff, en fait. Ok. Bien. Eh ben, on va faire avec. Allez. Allez. Ça me rappelle énormément Dead Space, bah ouais, moi aussi, hein, c'est clair. Ça me rappelle. Ça me rappelle Doom aussi, bizarrement. Merde! Pourquoi je l'ai oublié, quoi? Comment j'ai pu l'oublier? Je suis passé là et j'ai complètement zappé. PDA. Ok, dis-moi que... Ok, alors... Jonathan... Tiens, on l'avait pas fait, lui. Oui, si, on l'a fait. Pas de journal audio. Coordonnées des biens. Général. Mail. 0508, cadeau. Félicitations, vous avez été sélectionné pour recevoir un de nos placards promotionnels gratuits, rempli de choses utiles dont vous aurez certainement besoin. Pour accéder à votre nouveau placard, visitez notre site. 508, je pense, ça doit être ça. Nous recevons le placard envoyé par ma chaîne Virgin de vos noms de maître. Merci d'avoir répondu aussi rapidement, le placard sera livré à la fin de semaine. Ah là! Jesse! Thank you for the host, Jesse. Welcome here. We're about to stop the stream, unfortunately, in like 10 minutes. But thanks a lot for the host. And welcome to Jesse Quill's community as well. I don't know if you were streaming right before. 508. Attends. 0
5, 100, 8. Ah, là, c'est ça, c'était 4 en fait. Oh, yes. Ah, c'est bien, mais bon. C'est bien, oh là là. Mais j'aurais préféré de la life en fait. À vrai dire. J'aurais préféré de la life. So, and for those who are joining us, I am going to give you a little bit of a disclaimer. This is a French channel. Feel free to speak in English. Some of us speak English, and I do speak English, so I can answer questions in English. But my comments will be mainly done in French. Feel free to stick around anyway, and welcome here. C'est moi ou l'annonce elle a plus de son? J'ai pas entendu le. Merci Kisalim aussi pour le host. J'ai pas entendu le son. Streamlabs qui doit déconner. Ok, je re-sauvegarde. Tu vois plus plus longtemps, mais je suis toujours là. Soldats, okay, l'équipe Bravo nous signale une sorte de prolifération non identifiée qui envahit certaines parties de la base. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne présage rien de bon. Restez vigilants. Ok, je suis full armure, mais par contre, j'ai vraiment pas de vie, quoi. Ça, c'est vraiment pas cool. Non! Non! Merde! Non! Oh putain, 13 PV, quoi. Oh. Il y a du sang, là. Désolé, mec. Oh! Faire ça. Rappel Dead Space en moins flippant et moins beau, mais des meilleurs contrôles. Ah ouais, il n'y a pas photo sur les contrôles. Hein. Il n'y a vraiment pas photo sur les contrôles parce que Dead Space. Mais encore une fois, je pense que c'est fait exprès quoi. C'est pas possible qu'ils aient mis des contrôles comme ça en se disant que c'était une bonne idée quoi. C'est pas possible. Bienvenue dans les laboratoires. Oh, ferme ta gueule. On remonte là. Ça ne marche pas. J'ai tout essayé. Les ordinateurs ne répondent pas. Je n'arrive pas à avoir accès au système. Nous n'y arriverons pas d'ici. Nous allons devoir entrer dans le système depuis un autre endroit. C'est bon, on y va. Ok. Sauvegarde. Contrôle ici, ça fait pas peur, c'est vrai. Oh putain, je suis mort. Moi de la vie. Fucking jeu. Oh là là. C'est quoi ça dégouline. Sauvez-moi. Ah non. Ouais mais non. Mais non là non. Je suis un peu contre là. En tout cas je suis pas pour. C'est dégueulasse. Faut qu'il y ait un minimum de lenteur et quelques difficultés sinon tu stresses pas de te faire choper par les monstres, ouais. Evil Within, bah j'ai tout, j'ai fait Evil Within et tous les DLC King Kill. Je l'ai sorti, j'ai trouvé ça assez sympathique. Je crois que le portail vers l'enfer est ouvert. J'ai adoré Evil Within. Mais j'ai pas vraiment eu peur. J'étais un peu stress parfois, surtout avec Madame Lampe, comme je l'appelle. File-moi de la vie, putain de jeu! Avec Madame Lampe, j'ai flippé ma race, mais
putain. Ah, je devrais être mort 15 fois là. Ah, je vais pas revenir. Bah si, j'ai pas le choix. Hein. Ok, là je suis un peu stress, hein, je vous avouerai, parce que je suis à 13 PV depuis un bon moment là. Bon. Et... j'attends qu'une seule chose, c'est de reprendre l'ascenseur avec de la vie pour pouvoir sauvegarder. On va s'arrêter bientôt. Bon, et puis ceux qui ne connaissent pas Jessie Quill, n'hésitez pas à aller. Allez la suivre sur sa chaîne. Elle stream en anglais. Mais qualité de stream assez énorme. Donc n'hésitez pas à la suivre, ça me fera plaisir. Et puis... oh merde! Non, 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 non! Là. Il est mort l'autre aussi. Ah oh, putain, 9 PV. Oh sérieux. C'est bon, je peux ouvrir là. Ok, on va. C'est bon là. C'est nouveau, il va y avoir de la vie là. Voilà. Ok, on est là où il se trouvait. Il est là. Enfoiré. Oh mon dieu. Non. Non, pas de bébé quoi. Erreur. Ok. Journal audio du directeur William Banks, le 20 octobre 1145. J'ai remarqué qu'un nombre effrayant de membres du personnel est porté disparu dans la base. Au cours de la semaine dernière, Delta a envoyé 4 rapports supplémentaires à mon bureau, indiquant que le personnel n'est pas à son poste de travail, mais que les appels dans leur quartier restent sans réponse. Mon bureau a envoyé les noms de ces personnes au service de sécurité de Mars City, et ils ont promis de lancer une enquête. Mais c'est vraiment très perturbant, particulièrement alors qu'un nombre important de malades à l'infirmerie sont subitement atteints de schizophrénie ou d'autres troubles psychologiques. Et j'espère que tout cela est sans rapport avec les cas de disparition. Tu vas dodo, King Kill, ça marche. Bonne nuit à toi. Merci, merci d'être passé. Puis bah, à jeudi soir donc, j'essaierai de mettre mon t-shirt The Eagles pour toi. Mon chandail The Eagles. Journal audio du directeur William Banks, le 5 octobre 2145. Les services environnementaux ont attiré mon attention sur les récentes variations d'énergie qui ont causé des dysfonctionnements mineurs dans plusieurs systèmes. D'après le rapport, ceci est dû soit à des pannes de courant intermittentes, soit à une alimentation sous-voltée. L'alimentation et la distribution d'énergie aux systèmes d'importance mineure sont de plus en plus difficiles à assurer, à cause du docteur Betruger et de ses fameuses optimisations des stocks d'énergie dans le complexe. J'ai assuré au directeur du service que je remplirai un rapport avec le commandement central à ce sujet.
Chandaillé, salut. Ok. Dernier. Paul Simons, spécialiste de la sécurité en informatique. Oh, elle est connue la voix. Une brèche a été ouverte dans la sécurité de notre réseau. C'est arrivé plusieurs fois ces derniers jours. Il semble que cela dure depuis un certain temps et l'auteur sait parfaitement ce qu'il fait. Il a bien caché ses traces. Cela aurait pu continuer longtemps s'il n'avait pas remarqué des anomalies dans le carnet d'exploitation. C'est un signal porteur codé qui a été introduit depuis le complexe Delta. Le virus a été placé sur les requêtes de l'un des superordinateurs et s'est propagé avec les données à l'intérieur des limites de notre antivirus. C'est donc quelqu'un de l'intérieur. Malheureusement, en raison de la sécurité appliquée dans ce complexe, je peux simplement dire que cela provient de Delta. Je ne peux pas savoir de quelle machine ou de quel laboratoire. L'intrus avait accès à toutes les données personnelles, y compris les rapports médicaux. Mon équipe surveillera de près le réseau au cours des prochains jours et rapportera toute anomalie. Fin du journal. Ok, bien. Ça nous aide pas plus en fait. Nous aide pas plus. Je suis à 2 PV quand même. Monter à l'échelle, je le sens pas du tout. Oh merde. Oh merde. Allez, ouvre-toi. Yes! Bon, ok, je pense qu'on va s'arrêter ici. Parfait. Soldats, d'après le rapport, vous n'avez pas encore atteint l'équipe Bravo. Vous devez accélérer le pas. Ils ne peuvent pas vous attendre. Il faut absolument atteindre rapidement le centre de communication. Okay. Ça me fait chier de m'arrêter à 2 PV, quoi. Mais bon, ouvre la porte. L'ascenseur qui mène au labo. Ah. What? What? Ah. Salut. Ok. Yes. Voilà. Nickel. Parfait. Que demande le peuple? Full life. De l'armure. Full life, full armure. Devant le truc. La stéréo est pas très au point dans ce jeu, pourquoi? Que se passe-t-il? Ok, nouvelle sauvegarde. On peut pas nommer la sauvegarde? Dommage. C'est dommage. Du mal à capter d'où viennent les ennemis. Ouais, moi aussi, ouais, je vois ce que tu veux dire, effectivement, Jimmy. Je vais aller me quitter, je te dis à la prochaine aussi pour le stream. J'ai kiffé, ça m'a fait plaisir de te voir. À la prochaine. Pareil, Kiroa, pareil. Et puis, bah, écoute, ça tombe bien parce qu'on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Voilà. On s'arrête ici. Prochain épisode de Doom, ce sera. Vendredi matin à 3h du mat pour vous et jeudi soir pour ceux qui sont en heure québécoise. Et si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, c'était donc le premier épisode de Doom 3 avec Kino. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain. Merci beaucoup.